Welcome, bonsoir, bienvenue sur le live. On va essayer de pas rager comme hier soir, mais ça, je joue pas ce soir, ça devrait aller. Bonsoir à tous, bonsoir, welcome, merci d'être présent sur ce live. Faut juste que je mette un message sur Facebook pour dire que j'ai commencé le live. Je vais même le mettre sur le message que j'ai mis tout à l'heure. Hop, ça ira plus vite. Bonsoir à tous, welcome, hello, hello. Alors, une consigne, on ne parle pas d'hier. Clairement, on ne parle pas d'hier. Parce que voilà, c'est une course à oublier. Clairement, on oublie, on raye ça de la mémoire. J'ai même hésité à supprimer la rediff, mais je dis quand même, je vais la laisser pour ceux qui veulent voir. Mais waouh, c'était hardcore hier. Très hardcore. Et du coup, je me dis que je vais me détendre ce soir en commentant. Sachant que je vais pas commenter Elite, on va les regarder, même si on arrive en retard. Ça, je ne stresse pas ce soir. Je lance à un peu en retard, mais on est cool ce soir, on est en mode cool. On va commenter que la partie de LCQ. LCQ final. Comme ça, on a 3-4 courses à commenter. Ça va pas être trop long pour ceux qui veulent voir juste le commentary. Parce que, et puis même moi, commenter toute la soirée ça fait long, ça fait beaucoup, commenter 4 hits, 2 LCQ, plus 2 finales, ça commence à faire pour quelqu'un qui a pas super l'habitude de commenter. Donc on va commencer le live à la cool, on va discuter, on va regarder un peu les courses, et après on commentera à partir du LCQ. J'espère que le programme vous va, et je pense qu'on va faire partir là-dessus. Bon, en tout cas installez-vous, pendant que je finis de mettre le message sur Facebook, et on va discuter. D'ailleurs vous avez vu au fait l'éditeur de track de MX Monster Energy Supercross, The Official Video Game. Ils ont sorti une vidéo sur l'éditeur de track. Ça a l'air prometteur, mais j'ai peur que ce soit un peu restrictif. Après, on en discutera un peu si vous voulez. En attendant de dire tout le monde, bonjour à tout le monde. Hop. Bah écoutez, je crois que c'est bon. J'ai juste reçu un message ici. Je bloque un peu le message en même temps. Je vous dirai bonjour juste après, vous inquiétez pas. Ah, du coup, c'est du monde qui m'a envoyé la vidéo et c'est ok. Nickel, impeccable, on peut lancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat à dire bonsoir ce soir? Du coup, ça charge, ça charge. Comment ça actuellement indisponible? Moi, je veux la liste des gens sur le chat. S'il te plaît. Ah, ça y est! Bonsoir à toi, 87 bonsoir Anto, bonsoir Benito, bonsoir Big Air, bonsoir Carburaror, bonsoir Clément, bonsoir Danzo, bonsoir OKMX, bonsoir Frider, Fabrider, bonsoir Fegwen, bonsoir Fitzwiz, bonsoir Akmod, bonsoir Igra, bonsoir Jérémy, bonsoir Je sais ce que tu sais pas, bonsoir Julien, bonsoir JS Darny, bonsoir Juju, bonsoir Maxter, bonsoir Mortimer, bonsoir MX Racing Fox, bonsoir Numbers, bonsoir Pat Wink, KL, bonsoir Edmax, bonsoir Rémi, bonsoir Onyx, bonsoir Rider de Pauvre, bonsoir Seb, bonsoir Tintin, bonsoir Triste Sir, bonsoir ZT1 et bonsoir à tous ceux que j'ai oubliés sur le chat. Bonsoir parce que Yali c'était pas totalement à jour. Mais bonsoir à tous. Ouais, en fait, ce que je vais en parler tout de suite un peu directement, on va mettre la course aussi derrière en fond, comme ça on va en discuter un peu en même temps. Hop, je sais même pas à quelle course on est, mais on va voir un peu. On va se mettre là pour le moment. Et après, je switcherai. Donc oui, je disais, par rapport à l'éditeur de track, j'ai peur, en fait, qu'il soit un peu trop restrictif. Parce que ça a l'air d'être du genre Trackmania, c'est des modules que tu prends et que tu poses à droite à gauche. D'ailleurs, on peut regarder la vidéo ensemble, pour ceux qui l'ont pas vu, on va se faire ça avant de lancer. On va aller se regarder la vidéo ensemble, comme ça au moins vous allez être fixés. Hop.
Alors, je peux même me cacher, pas besoin de mettre ma tête pour regarder la vidéo. Sur Facebook, on va la trouver normalement. Bah, directement sur ma page, je l'ai partagée. On va la regarder pour ceux qui l'ont pas vu, comme ça au moins vous allez le voir. Maintenant ça charge. Voilà, hop. On va mettre en grand. Ça, vous la voyez. Juste mute parce que le son, on s'en fiche un peu. Mettre en plein écran, voilà. Comme ça, les gens qui l'ont pas vu, vous allez le voir. Donc ça, c'est le trailer de l'éditeur du track de ce Supercross. The Game fait sortir le 16 février, donc ça approche dans un mois maintenant. Ou le 13, je sais plus. Donc alors, on voit qu'on peut prendre 8 stades différents. Donc là, c'est à peu près les previews qu'on verra des pistes, quand on va construire les pistes. Et c'est ça, cette partie-là où je me dis, c'est un peu... Il y a 80 modules, donc on n'a pas de boss personnalisé. On va devoir utiliser les modules qui existent pour les placer. En tout cas, c'est ce qu'on comprend dans ce trailer. Où on les place à droite, à gauche, on peut mettre des objets. Forcément, 80 modules, donc il y a énormément de possibilités, mais ça c'est comme les tenues, c'est tu mettais un casque, une tenue avec tous les casques, donc forcément ça fait plein de personnalités. Et c'est là en fait que je vois en fait, vous voyez que vous avez plein de tailles de boss, mais c'est des modules, j'ai l'impression que on peut pas, vous voyez, on peut les tourner, on peut changer la caméra, on peut essayer, on peut cancel, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'options pour agrandir la taille, réduire la taille des tracks. C'est à voir, vraiment à voir au niveau des possibilités qui existent. Mais là, en mettant pause, on voit un peu plus ce qu'il y a. Si on avance un peu, on voit il y a différentes tailles de jump. À voir ce que ça va donner. Mais j'ai peur que ce soit un peu restrictif dans le genre où en fait on pourra pas mettre vraiment toutes les tailles de boss qu'on veut et vraiment comme on veut. Et on pourra pas mixer, genre on pourra pas faire une section droite, une section gauche comme dans beaucoup de tracks. Après, c'est que des suppositions, hein. J'attends vraiment de voir. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut superposer déjà la start line avec d'autres trucs, ça c'est cool. Bon, après, ils disent qu'on peut partager, etc. et rouler en dessus. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Hein. D'ailleurs, je vais voir sur le site web s'il y a plus d'informations. Supercross the Game. Oui, après, pour une première, c'est déjà pas mal. Totalement d'accord. Track Editor. Choisir parmi 8 tracks. 4 modules, ouais, on peut le tester. On peut jouer en solo ou en multijoueur. Et on peut le partager avec un système de partage et de vote. Ok, donc on n'a pas plus d'informations comme ça, peut-être, dans les news. Voilà. Si on va voir là, peut-être. Non, il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc, c'est le truc. J'ai un peu peur que ce soit un peu limité. Après, à voir, hein, vraiment, comme on peut mixer les possibilités, comme on peut les mettre bout à bout, comme on peut faire pour que ça aille bien ensemble. À voir. Faut mixer un peu tout ça pour voir un peu comment ça va se faire. Et comment on va réussir à agencer tout ça. Mais ouais, ça reste prometteur pour un premier quand même. J'ai l'impression que ça se rapproche vachement d'un MX versus ATV Unleashed comme il y avait à l'époque. Ouais, c'est comme quand ils ont sorti MXGP1, il n'y a pas grand chose. Et ils ont peaufiné la personnalisation au fur et à mesure. Donc oui, pourquoi pas, oui. Ah, ils ont annoncé un éditeur pour le prochain MX? Pour All Out ou pour celui d'après? Je pense que c'est plutôt celui d'après. Non, Carburaror, il faut être subscriber de la chaîne pour pouvoir avoir accès aux émoticônes. D'ailleurs, merci à FreeWigs qui a follow juste avant de lancer le live. Merci à toi. Welcome to family. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Yo, Maxter, hello. Celui d'après encore, ouais, donc on n'est pas prêt de voir dans 3-4 ans, quoi. Non, All In, c'est Supercross encore avec tous les DLC à l'intérieur. Enfin, avec les Supercross à l'intérieur, je crois. Et All Out, c'est le prochain jeu. C'est compliqué, donc presque le même nom, mais c'est ça. Le truc positif, c'est que si j'ai bien compris, s'il est sur Supercross The Game, donc pour MXGP4. On ne sait pas s'il y aura MXGP4. En fait, c'est la grande question actuellement sur les jeux Milestone. C'est, est-ce qu'ils vont nous sortir un Supercross et un MXGP4, ou ils vont faire un Supercross une année, un MXGP une autre année, etc. Ils vont alterner, ou ils vont faire que du Supercross. Je sais pas, c'est vraiment la grande question qui est en ce moment. On sait pas trop comment ça va se dérouler, donc on verra bien. Non, j'ai pas le temps de regarder la course à Houston. Je pense que t'as vu mon état hier et je suis vite allé me coucher. J'ai pas fait le fou non plus. Ouais, j'ai vu que Musquin était blessé. Je sais qu'il doit passer des radios et tout pour voir un peu ce qu'il a. J'ai pas eu plus d'informations sur ça. Je sais pas plus regarder que ça. Je sais même pas où ça en est là. Je pense que c'est un hit qui est passé. Ouais, 11 tours. Il y a dû y avoir un hit. Je sais pas du tout où ça en est. Je vous avoue que je ne suis pas beaucoup. Et toute la MT, on va aller dire bonjour à la MT d'ailleurs. Oui, bonsoir à la MT. Bonsoir. Salut. C'était quelle course là? Novice. Ok. Ah oui, c'était le free, c'est ça? Ouais. Ça marche, merci.
Du coup, ouais, ils ont été au free, donc c'est tous ceux qui roulent en gratuit. Donc là, on va passer sur les hits, peut-être même les repêchages. Je sais pas dans quel format ça a les amateurs. Si on fait des tracks, tu feras des tests de tracks de sub. Pourquoi pas, hein, Damso, pourquoi pas, voir comment c'est compliqué à faire ou pas. Pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée de série. Ça pourrait être un bon truc à faire sur YouTube. Ça pourrait être sympa, à voir. Bonsoir Alex Love, hello. On verra bien hein. Ce que ça va donner. On va suivre un peu ces courses, même si je veux pas trop commenter. Je veux vraiment commenter en mode un peu plus professionnel. Comme je disais, les LCQ pour ceux qui arrivent. Les LCQ et après les finales. N'hésitez pas à partager le live d'ailleurs si ça vous intéresse. Parce que ça peut attirer du monde, justement, vu que je joue pas et que je vais plus commenter. Ça peut être sympa. Salut à toi, c'est Samouraï. Bonsoir à toi, bienvenue. Et on peut peut-être faire un coup MXGP puis Supercross en attendant chaque année. C'est ce que je pense. Parce que je les vois pas sortir deux jeux la même année, ça fait beaucoup. Après, ça fera un jeu tous les 6 mois, mais ça veut dire qu'il y aura plus de nouveautés, ils n'auront pas le temps de travailler sur de nouveaux trucs. Et c'est pas une grosse équipe non plus, MySwan. Donc, moi, je vois bien ce format-là ou un jeu tous les 2 ans, tu vois. Qui repartent sur le format comme ils avaient entre MXGP 1 et MXGP 2, tous les 2 ans. Mais du coup, qu'au milieu, ils nous sortent Supercross qu'ils alternent. Du coup, ça reste un jeu tous les ans, mais il y a quand même une petite nouveauté entre chaque. Justement, j'en parlais juste avant, MX Love. J'en parle justement en ce moment du éditeur de track. On a regardé le trailer juste avant. Fallait venir à l'heure, t'aurais été au courant. Non, ouais, on va voir un peu ce que ça va donner. Et ça pourrait être d'ailleurs ce que je pensais à un truc. Attendez, je vais pouvoir vous mettre. Si ça veut bien marcher. Vu qu'on va plus discuter que de regarder, je pourrais vous copier ce truc là. Hop. Vous mettre ici, comme ça vous pourrez suivre la course, grosso merdo de ce qui se passe sur la course. Même si on regarde pas tout le monde, vous pourrez voir un peu où sont vos potes qui font la course. On pourrait essayer de suivre. Juste, pour pas que ça frise trop, baisser un peu les graphismes. On va baisser le track. Léger. Sauf moi je roule pas ce soir donc je m'en fiche un peu. Tac tac, on va baisser un peu tout, hop, on va relancer MXS. Mais voilà, ouais, les nouveautés. J'attendais justement l'info de Milestone qui nous sort un peu de trailer à ce niveau-là. Et c'est cool, c'est cool. On va voir un peu ce que ça va donner. D'ailleurs, je pourrais mettre aussi Graphic and Sound. Plus fort les bateaux des autres. Hop. Et voilà, let's go. Ouais, ouais, ça va mieux, hein. C'est faut juste que je raye cette soirée de ma mémoire, mais bon, c'est un détail. Ouais, tu crois qu'il ouais, des petits DLC avec des nouveaux tracks tous les ans. Ouais, bah vu qu'on a le, c'est ça en fait, le problème c'est que vu qu'on a l'éditeur de tracks, bah en fait ils peuvent se permettre de sortir les jeux plus longtemps, plus avec plus d'écart, vu que bah en fait la communauté va créer, auto-créer le contenu, c'est ça qui est cool. C'est exactement, c'est ce qui va manquer en fait, c'est la création de tenue. De tenue, de casse, d'importation de modèles. Vraiment ouvrir comme un simulateur. C'est ce qui va manquer, je pense. Mais bon, après, pourquoi pas. On arrive à modder, hein, on arrive à pas mal modder MXGP 3, donc Supercross the Game, ça va être modable pareil à peu près. Enfin, peut-être que je m'en regarde un peu à ce niveau-là, mais oui. Le panneau que tu vois là-haut, c'est ça que tu me demandes Shieldux, merci à toi, merci follow, welcome to the family, installe-toi. Si tu me demandes le panneau, il y a marqué Houston Round 2, c'est moi qui l'ai fait en fait. Alors, je vais vous expliquer un peu comment se passe le panneau sur le côté. Si des noms sont en jaune en fait, c'est qu'ils ont moins de 2 secondes d'écart par rapport au mec d'au-dessus. Ça me permet en fait de moi, quand je regarde le panneau, de me dire, ah, attention ici, il y a peut-être une bataille, ils sont à moins de 2 secondes. Ça met un peu en alerte quand il y a des gens qui sont en contact en train de batailler. Bah moi je le vois, bam, directement. Vu que c'est à moins de 2 secondes, bah c'est à peu près proche. On peut aller switcher sur les gens, voir un peu comment ça se passe. Alors je pense pas qu'on puisse faire de compound par contre. Parce qu'en fait, il parle que de 3 stades. À moins qu'il y ait un stade totalement ouvert, mais c'est que des stades intérieurs. Non, justement, 87DO, ça ne serait pas bien qu'ils fassent deux jeux. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de nouveautés. Ils auraient plus le temps d'innover. Ils auraient juste le temps de créer le contenu pour le jeu d'après. Et tous les 6 mois, recréer le contenu pour le jeu d'après. Ils n'ont pas le temps de travailler la physique et ils vont carrément stagner s'ils sortent un jeu tous les 6 mois. Ça ira pas. Ouais, Danzone a compris la même chose. Après, ça peut dépendre de la taille des stades, mais je pense qu'on va être assez limité au niveau de cette taille-là.
Genre, je vois bien, moi, un mode de création de tenue un peu à la Need for Speed, à la, où vous avez plein de formes différentes et vous les accolez directement, vous mettez des couches de formes sur les tenues. Ça pourrait être sympa, un petit truc comme ça. Ça pourrait rendre pas mal et ça pourrait avoir de la gueule, je pense. Qu'est-ce qu'il dit, Mathias? Que à partir du LCQ. Hop là. Yo, Julian, hello, bonsoir. Genre, quand Supercross sort, tu pourras créer un championnat. Tu sais, tu crées des courses, c'est sympa. Son année. Alors, non! Sachant que je n'ai plus du tout. Arrêtez de dire MXO va organiser des trucs. Non, je n'organise plus rien. Alors, si je fais des trucs, c'est des trucs ultra. Ultra ponctuels. Rien de fixe, rien de round sur 17 rounds. Non, non. Ça, il y a MXGR qui va s'en occuper. Je les laisse s'en occuper. Ils vont faire ça très bien. Je les laisse. Je m'occupe de plus aucune organisation. Je n'ai pas le temps. Point. Comment tu fais des bonnes impulsions? Je fais arrière avant au niveau du creux de la bosse, au niveau de la compression. Quand tu vois que la courbe commence à monter, je le fais à ce niveau-là. Fun race, pourquoi pas? Pourquoi pas des fun race? Mais je pense que je verrai plus avec MXGR pour organiser des trucs. Alors là, c'est le premier hit. Je sais pas ce que c'est comme course. Je vais essayer de voir avant. Hit 1 250 amateur. Salut MXO, j'ai une question pour toi. Je suis build un PC avec une Asus GTX 1080 et j'ai seulement 60 FPS sur MXS. Il faut que tu désactives la synchronisation verticale dans tes paramètres Nvidia. Si tu veux savoir un peu. Il y a qui dans cette course que je pourrais dire? Ah bah il y a Etienne. On va suivre Etienne, tu vois, on va se mettre sur Etienne pour la course. Voir un peu ce qu'il va nous faire. On va le suivre. Mister Etienne Bernard, sachant qu'il a gagné les qualifs, hein. Il s'est fait un temps, 55, boum, fini premier des qualifs. Donc on va le suivre. Sinon c'est le seul que j'ai la tenue. On va voir un peu ce que ça va faire. Il m'a répondu Mathias ou pas? Ok. Du coup. Oui, vous pouvez aller sur les serveurs sans payer, vous pouvez y avoir accès. Ils peuvent pas restreindre l'accès au serveur. Donc vous pouvez y regarder. Par contre, je vais juste faire un truc juste avant, c'est que je vais me mettre en mode fenêtré comme ça, vous devrez. Hop. Comme ça, vous allez mieux voir les noms en bas à côté là, sur qui je suis. Etienne, sachant que c'est sa première course avec Erod, on va voir un peu voir comment il va gérer ça. Qui est actuellement. C'est pratique avec mon panneau, je vois directement où il est parce que le truc il défile en haut, que vous voyez là-haut. C'est juste pas pratique pour suivre une course parce que bah, ça défile, donc on peut pas savoir ponctuellement. Où est chaque pilote? Que moi, avec mon panneau que j'ai sur mon côté, moi, sachant que j'ai une version streamer où j'ai vraiment toute la liste de tous les pilotes, c'est pas coupé au niveau du 5ème et ça tourne. Moi, j'ai vraiment tout le monde et du coup, je vois bien que Etienne actuellement, il est, si je clique là, il est 10ème. Sachant que c'est top 9 qualifié. Hello Renax, bienvenue sur le live! Welcome, installe-toi! Donc voilà à peu près ce que j'en pense de ce titre de track. J'attends de voir, l'hype commence à monter quand même. C'est dans un mois, donc dans un mois ça va être cool. On va pouvoir tester tout ça, voir un peu ce que ça donne, faire pas mal de streams. Ça va être sympa. Bon, mon petit Etienne, il faut remonter là. Il est 11, top qualifié. Il devrait réussir à remonter à mon avis, il a largement le niveau pour remonter. Juste qu'il s'applique. Parce qu'hier, j'étais fatigué, j'ai super mal roulé. Et... En fait, c'était soit je continuais le live, je faisais un live, mais de merde, avec une qualité de merde, un commentaire de merde, ou soit j'arrêtais. Et j'ai préféré arrêter plutôt que vous proposer un truc vraiment merdique et pas à la hauteur de ce que je fais d'habitude. J'ai une question, j'ai des tomates de camion là, mais j'arrive pas à voir les skins quand je les mets. Faut que tu vois ça avec lui, hein. C'est pas moi qui gère le skin de Tom Guillon.
J'ai quoi sur ma... Alors, sur ma gauche, j'ai le chat, j'ai le leaderboard en mode streamer, donc qui est grand. J'ai le retour du live, j'ai le nombre de viewers d'ailleurs, en parlant du nombre de viewers, j'ai pas coupé le retour, donc à mon avis, il doit tourner. Ouais, voilà, exactement. Alors, j'ai le retour du live avec le nombre de viewers, j'ai la fenêtre de notification. Ça, quand il y a des dons, des abonnements, etc., je l'ai en gros. Sur ma droite, j'ai ma gestionnaire de bande audio, parce qu'en fait, pour couper le son, par exemple, je peux vous mettre juste de la musique, couper tout mon son, et moi, je continue d'entendre. C'est un peu une palette DJ. Donc j'ai ça en dessous, j'ai le Discord et en dessous, j'ai les événements récents du live. Donc là, c'est tout pris, partout, et il n'y a vraiment plus de place sur les écrans. J'ai envie de mettre sur les trailers d'éditeurs de drag. Je sais, Rednax, si tu regardes sur ma page Facebook, il est déjà partagé, en fait. J'ai partagé avant que tu me l'envoies. Ouais, alors techniquement oui, sur le jeu ils ont tous leur vrai nom prénom parce qu'en fait il leur faut les noms prénoms, c'est dans les règles. Putain, le scrap de Etienne là, il est venu combien là Etienne? Nice, 4, il est bien. Alors cette vue, il faut créer des caméras. Je vous ai déjà fait un tuto pour montrer comment, où je montrais comment créer des caméras. Oula, pas de chance, il y a plein de monde. Ouais, bah si tu stream pas, oui, il y a deux écrans, mais moi c'est que trois écrans, j'étais obligé pour le stream. Toi, là j'ai plein de trucs sur tous mes écrans, et genre avec deux écrans, ça serait le bordel, je pourrais pas mettre tout. Au moins là, je suis vraiment tranquille, j'ai accès à tout sous les yeux, pas besoin de cliquer à la souris, même pas besoin de toucher à la manette, juste pour clavier pour changer de, si je veux changer de pilote. Et sinon, j'ai juste à. Je me pose comme ça, je commente et je suis posé là. On est bien, on discute tranquillement et c'est cool. On suit la course un peu. Ouais, sur YouTube le tuto, tuto caméra. Caméra activée. Ah ah, la grande question, est-ce que je vais revenir sur YouTube? C'est pas prévu pour le moment. Ou alors vraiment avec des vidéos ponctuelles ou des extraits live, etc. Là, je me tâte par exemple, le commentaire que je vais faire sur les LCQ et les main event, bah je me tâte à la foutre sur YouTube après. Ça pourrait être cool, je vous mets juste ces parties là en mode commenter sur YouTube, ça pourrait être sympa. Je vais le faire juste après ce coup. Je vais faire le. En fait, je voulais pas faire l'hit parce que ça fait beaucoup de courses. Ce que j'ai dit en début de live, c'est que ça me fait 8 courses à commenter si je fais tout. Et ça fait beaucoup, du coup je vais commenter qu'à partir comme 6 à partir du LCQ. Je vais commenter le LCQ et les deux main events. Donc il y aura 4 courses à commenter. Par contre, je sais pas si les tracks que tu vas créer sur PC vont être compatibles multiplateforme. Ça, c'est on n'a pas d'informations là-dessus, on sait pas si ça va être multiplateforme les créations de tracks. Si ça se trouve, on verra que les tracks créés sur PC, que les tracks sur PS4, Xbox sur Xbox. Ça sera un peu con, mais peut-être. À voir. Ah non, Free a commencé trop tôt, 21h, trop à l'arrache. Là, au moins, j'ai eu le temps de bien lancer en mode posé, c'était cool. Mais si vous voulez vraiment voir la course commentée, il y a Mathias qui commente les courses. Etienne, ouais, il est 6, ça va encore. Faut qu'il le temps qu'il se lance. Il a jamais roulé avec les rods, donc forcément, le track se déforme pas mal. Toute la partie sable, pas de déformation, mais oui, ça va. Il remonte là, il est 5. Il assure. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais genre, à chaque fois, au lieu de jouer, commenter un jour pro. Ouais, mais du coup, je joue quand en screw? Le but, c'est quand même que je joue, moi. Je veux pas me faire juste commentateur. Je veux jouer quand même à la base. C'est juste que ça tombe mal parce que je roule en pro, donc du coup, je peux pas commenter les pros. Ah, il était revenu premier. Bon, ça, tant qu'il est neuf, ça va. Alors, non, MX Simulator n'est pas prévu sur PS4, il sera toujours que sur PC. Et non, je ne roule pas ce soir, je commente les courses. No fail. À partir du LCQ. Du coup, avant, je discute avec vous tranquillement. D'ailleurs, je pourrais agrandir ma cam. Du coup, vu qu'on discute, ce serait peut-être un peu plus agréable pour vous. Si j'agrandissais ma cam. Putain, il fait de la merde là, ouais. Il vient de rechuter. Un peu plus gros. Voilà, quand ça, c'est un peu plus agréable pour vous, même si du coup, ça fait. Beaucoup, mais bon, vu qu'on discute plus qu'on suit la course,
De toute façon, après, j'ai une autre scène où il n'y a pas eu ma tête pour commenter. Là, c'est la première hit de 250. A 2, c'est comme IRL, il y a 3 manches. Non. C'est hit LCQ final, une seule manche. C'est dans tes setups, ton... regarde MX Racing au niveau de ton bike setup, dans ton Advanced. C'est ton leveling qui doit être trop, qui fait que ta moto revient. Ouais, Etienne, il est pas chaud, là. Il a du mal un peu à gérer. C'est le stress d'être devant 72 personnes en live. Putain, il se met cool, en plus. Bon, ça va, il est quand même passé 7. C'était limite, mais c'est passé, c'est le principal. Après, on a... Qui roule ce soir? On a Gauthier... Je vais switcher avec eux du coup maintenant qu'ils ont fini. Gauthier, moi, bah dis donc, Etienne, c'était dur, hein. Ouais, c'était nimpe. Je sais pas, je me mets trop la pression, je suis un guignol. Non, mais ça, t'es passé, c'est principal. Ouais, ça va. Bon, encore heureux. Va voir mon Insta. Ok. Un Gauthier, je suis en hit 1 ou hit 2? Hit 1. Hit 1, moi. Merci. Et Gauthier roule quand, du coup? Je suis en hit 1 aussi. Ok. Donc là, on a personne en hit 2. Non. Non. Ok. Du coup, je vais revenir, moi, je vais aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Je vous laisse le chat allumé si vous voulez dire des conneries. Le son, on vous entend sur le Discord. Sur le live. Je reviens, vous inquiétez pas. Bonsoir. C'est qu'il a une très grosse diarrhée, du coup il veut s'absenter assez régulièrement dans la soirée. Désolé, avec ses hémorroïdes, c'est vraiment compliqué en ce moment. Mathias, il a eu. Peut-être bien. Y'a qui là? Y'a Mathias dans cette série ou pas? Non, Mathias, non, il est en pro, Mathias. Qui c'est qui est dans cette série? Dégué de la Julien 3... Roy Kevin. Julien 3 Kevin. Oh là là, les gars de Julien 3 Kevin, partent en tête. J'espère que je vais passer direct en finale, moi. Ouais, comme la dernière fois. La diarrhée, tout le monde dit. Hashtag diarrhée. Ça, voilà. Ça va, ils ont pas fait trop de conneries, vous avez surveillé le chat, hein, j'espère. Non, ça va. Ça va, bah regarde le chat vite fait si tu veux. Y'a pas eu d'idée, hein. Bonne soirée à toi, Tintin. À la prochaine, bon courage pour demain. Ils ont dit quoi dans le chat? Bon anniversaire, Tintin. Je sais pas, ils parlent de diarrhée là, j'ai pas trop envie de savoir pourquoi. Hit 2 250. Parce qu'il y a un mongol qui a dit que tu avais la diarrhée compliquée avec tes hémorroïdes, du coup t'allais t'absenter plusieurs fois dans la soirée. Ah oui, ah bah oui, forcément. Alors je sais pas du tout ce qui me met. J'ai aucun skin. Ils sont tous pareils, tous identiques. C'est à nous. Moi je roulais un peu, moi. Bah on va se mettre sur Fox Rider. Attends, il va se faire allumer, il a pas son vrai nom. Oh putain, ils sont tous jaunes. C'est le bordel, ça y est. Voyons voir un peu comment Mister Dorian arrive à rouler. C'est Dorian? Ouais. Bah oui, Fox Rider, c'est Dorian. Dorian George. Attendez, je reviens. Mathias roule en pro, donc non, Mathias il a roulé hier soir avec moi à la consolante. Et Tom il roule dans le hit 1 de 450. Ouais, c'est que des clones. On voit l'originalité des motos. Du coup, vous en pensez quoi, vous, l'éditeur de track de Supercross The Game qui va sortir? Bah, ils en pensent que dalle. Ils en pensent que dalle. Tommy, il en pense tellement qu'il est parti. Moi, je pense que ça pourrait être cool. Ouais, ça va amener du contenu.
Ça va carrément allonger la durée de vie déjà du jeu, de base. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va allonger la durée de vie. Moi qui ai joué 2 mois à MXGP3, là, je risque d'y jouer un peu plus, je pense. Après, la grande question qu'on avait, que je me posais, c'était est-ce que les tracks vont être cross-platform ? Il y a intérêt pour eux, j'espère. Ouais, Kawa sur Supercross the Game, il y a un éditeur de track. On le savait depuis le début, hein, mais on n'avait pas encore vu comment il allait le faire. Et là, il y a eu une vidéo trailer qui est sortie. J'ai mis sur ma page Facebook si tu veux voir. Non, Dorian a quitté la MT Factory il y a longtemps. Il n'a plus le temps de jouer, du coup, ouais. Il a préféré quitter. Il jouait plus de trop, ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, si il veut revenir, il est bienvenu. Hein. Tiens, faudrait lui demander s'il veut revenir. Ah, franchement, vu qu'il roule. Mais c'est cool, l'éditeur, ça va vraiment ajouter du contenu et... Après, j'espère pour eux qu'ils vont faire du contenu cross-platform, quoi. Qu'on puisse jouer au track que les gens font à la fois sur toutes les consoles et sur PC. Parce que s'ils font que PC sur PC, que PS4 sur PS4, que Xbox sur Xbox, ça va carrément séparer, c'est de la merde. Si vous pas croire, hein, dès que je le sors, à mon avis, tous les réplicas 2018, ils vont tous sortir. Oh bah c'est ça, ça c'est sûr. Non, je roule pas ce soir, Yarmax, je commente les courses à partir du LCQ. Donc là, on discute tranquillement jusqu'au LCQ. On prend des nouvelles, on discute, je prends le temps de discuter un peu avec vous. C'est vrai que je prends pas souvent le temps de discuter avec vous. Donc au moins, c'est sympa, je peux bien discuter avec vous. Et je commente sérieusement en mode professionnel à partir du LCQ. Enfin, je vais essayer, mais voilà. Non, j'ai toujours le même setup. Des pistes, si tu préfères, des tracks, des pistes... des circuits, des... Moi j'ai roulé hier soir, moi. Alien Sega. Des terrains. Des terrains, oui aussi. Mais qu'est-ce que t'as branlé en fait? T'as eu une connexion de merde? Bon, en fait, ma connexion était pas stable hier soir. Donc, genre, j'ai eu un passage à 1000 millisecondes. Et le problème, moi, c'est que quand j'ai un gros ping comme ça, bah après, mon jeu il est accéléré. Je sais pas si ça te le fait, toi. Ouais, si, ça me le fait. Et du coup, bah c'est injouable. Et il est ralenti, accéléré. Et j'étais pas fluide. J'étais. C'était pas agréable à jouer. Je faisais de la merde. J'ai quand même pété un câble et j'ai arrêté. J'ai fini la course quand même. J'ai fini la course, mais j'ai arrêté après. Ouais, t'arrêtes. Ça sert à rien de commenter derrière quand t'es énervé, après tu commentes pas bien, t'es pas en forme, t'es. J'étais fatigué, donc voilà, autant arrêter le live plutôt que de faire un live de merde. Clairement. C'est clair. Au moins mes stats sont bonnes sur live d'hier, c'est qu'il y a eu tout le temps ça, au moins 100 personnes. Vu que les gens partent au fur et à mesure, bah là il y a eu que le pic au début, ça c'était cool. je sais pas si t'es au courant, mais il y a un gars qui était en stream et en son nom sur MX, il y a MT Factory. Les 250, bah c'est soit 250, soit c'est ce que tu vois, hein, c'est les SXF 2018 ou les Husqvarna 2018. C'est clairement, hein, c'est quand tu regardes SXF, Husq, SXF, 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 Husq, et une deuxième Husq, troisième Husq, quatrième Husq, cinquième. Et surtout derrière, mais en gros voilà. Eh, il est pas mal Fox, il est 6. Je regardais sans vraiment ouais, le jeu. Regardez, il est bien. Il a de bon reste. Ouais, ça commence à revenir. En fait, l'avantage de la Husq, elle est un peu moins rapide que la SXF, mais elle est beaucoup plus stable. La SXF, elle est instable, mais à souhait. C'est impressionnant comment elle est instable. Elle est super légère, du coup, dès que vous faites une erreur, elle part directement en vrac. Alors que la Husq, elle est plus dans un rail. Alors, officiellement, non. Zral, tu pourras pas modder les motos et les tenues. Officieusement, oui, tu pourras, parce que
Faut voir un peu les tutos qui vont sortir parce que je sais qu'actuellement. Merde, je m'en souviens plus de son pseudo. Il y en a un qui mod pas mal MXGP3. Et vu que ça va être la même chose, hein, MXGP3, Supercross the Game, le fonctionnement du jeu, la structure du jeu va être la même. Donc on pourra le modder aussi, mais ça va être plus compliqué. Mais on pourra le faire aussi. Donc officieusement, tu pourras. Mais ça va être pareil, ça va être que du contenu que toi-même tu vas voir et que les gens en ligne ne verront pas. Et c'est ce qui va manquer sur les MXGP encore, c'est cette création-là. Un mode soit à la Trackmania où ils ont un gros serveur où ils stockent tout et quand tu arrives sur la course, tu charges tout en fait, au fur et à mesure. Ce qui est pas mal, je trouve que c'est le système le mieux, où t'es le plus libre. Ou sinon un système à la Need for Speed où t'as des pochoirs en fait, plein de formes différentes et tu les poses sur la tenue comme tu veux, etc. Pour essayer de refaire une tenue. C'est deux fonctionnements qui sont différents, même si l'un qui a plus d'avantages et plus d'inconvénients, mais qui est plus poussé. Et le plus simple reste le mode en mode Call of Duty, en mode Need for Speed, en mode voilà, où vous avez des modèles que vous prenez, vous pouvez placer un peu dans tous les formes et vous pouvez faire votre tenue comme ça. Mais c'est ce qui va manquer, oui. La Yamaha, tu les verras pas, elles sont pas assez puissantes. La Yamaha, toi, c'est agréable à conduire, hein, mais ouais, c'est chaud. C'est des rails. La Yamaha, en tout cas, en 450, putain, on nous a presque fait un flip. Putain, il y a eu chaud. Il a descendu 9ème, mais ça passe nickel pour Dorian. Ça passe, Jonas. Hello, Jonas, je pense. Spiuk KTM qui vient de trouver le bouton pour ce follow. Merci à toi. Welcome to the family. Installe-toi. Pense à activer les notifications pour pas rater le prochain live. Jeudi soir normalement. Au début, tu sais, j'arrive. SNDA, je dis, ouais, je vais buter des mecs. Je bute 2, 3, 4 mecs. Moi, j'ai encore du mal à viser. Faut vraiment que maintenant, faut que j'arrête de jouer en mode de jeu, faire un classement. Et faut que je range dans le tas et que j'arrive à apprendre à viser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Au début, faut que je me mette. Ah, parce que leur système où tu cliques, genre tu, en tu haut de l'écran, quand tu fais un scrub, je te coupe, désolé. Hein. Quand tu fais un scrub, t'as une barre de score qui monte. T'as vu ça dans un trailer, Kawa? J'ai pas vu ça du tout. Faut que je regarde en détail. Et du coup, tu disais, Gauthier, excuse-moi. Attends, je vais voir Etienne, je vais dire qu'il me plaît. Ah, mais le voilà. Ah, oui, c'est ta course là. Ouais. Ouais. Ouais, mais moi, pourquoi je suis en warm-up, moi, c'est normal. Parce que ça se trouve, t'es dans le hit 2. T'es sûr? Ce serait cool, l'éditeur de kit déco et personnalisation. Attends, non, je suis pas sûr. Je remonte dans le chat. Ouais, ça serait cool, la NAC, c'est ce qui va manquer. Oh, moi, je t'ai vu avec moi, Tom, je crois. Attends, ouais, je suis en train de remonter. Non, Tom, t'es pas dans celui-là. Ouais, j'espère. Je vois même pas Gauthier. Ah si, Gauthier. Non, t'es pas dans celui-là, Tom, t'es dans l'autre. Bah, j'attends. En fait, là, c'est la première course qu'ils font avec la nouvelle update, la team, et faut qu'ils me disent si tout va bien. Ça te va, au fait, tes noms, Gauthier? Ouais, faut que je vois pas trop la différence. Bah, j'ai un peu grossi, mais... Ouais, ça me va. Y'a pas assez de logos? Achète tes logos. Trouve-moi des vrais sponsors et je te foutrai des logos dessus si tu veux. Bah, moi je vais prendre Babou. Je suis sûr qu'il serait prêt à payer en plus, c'est con. Babou, Bayumoto, je vais mettre. Ouais. Bon, je vais juste me mute pour pas faire chier Gauthier pour sa course. Merde. Départ. Ouais. Je me suis mute sur le Discord pour pas le faire chier comme ça, qu'il reste concentré sur sa course. Ouais, je suis bien mute, c'est bon. On va pouvoir le suivre un peu. Top 9 qualifié. Tu vois, vous, il y a une Yamaha. Alors, en 450, c'est différent.
T'as les CRF qui sont pas mal aussi. Et t'as vu une Yamaha toi quelque part? T'as du rêver à mon avis. Yusk, CRF, Yusk, Yusk, CRF, Yusk, 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 KTM, Yusk. Guide tout LOL! Bienvenue à toi, welcome to the family! Welcome, welcome, installe-toi. Et non, il n'y a pas de Yamaha. Tu as-tu trompé? Parce que Gauthier, il a le skin d'une Yamaha, mais c'est sur les 6F qui vient. Ah, t'as dit Honda? Ah oui, excuse-moi, Honda, oui. Oui, alors en 450, parce que c'est normal, en 450, les Honda sont bien. Autant pour moi, Kawa. Mais c'est parce qu'elles sont bien en fait en 450. Donc Gauthier attaque. 6ème, 5ème. Ils font pas le triple. Putain, j'aurais dû rouler en amateur moi. Ça va me faire du bien quand je vais. Est-ce qu'il y a une partie de la saison en fait? Je fais la côte ouest. Actuellement, je fais la côte est. Côte ouest. Et pour la côte est, je vais revenir en amateur en 450 amateur. Du coup, ça va me faire du bien de revenir un peu avec des amateurs. Ça va me changer. Je sais pas où c'est le prochain round, je vais aller voir. C'est bien comme ça, au moins vous voyez la course, vous avez plus le son de la course, mais c'est pas grave, vous voyez quand même. SX, Ama, Supercross. Alors le prochain round, après Houston, donc le round 3, il se l'a à Anaheim. Donc on a Anaheim 2. Après on a Phoenix. Alors j'ai expliqué ça à Jérémy tout à l'heure. Les noms en jaune en fait, c'est que tu regardes leur temps par rapport au mec d'avant. Ils sont à moins de 2 secondes. Du coup ils s'affichent en jaune. Pour moi comme ça quand je commente la course, je les vois en jaune et paf, en mode ah il y a une bataille ici, faut que j'aille voir ici. C'est quand il y a une petite bataille quand ils sont à moins de 2 secondes d'écart. Je regarderai MQLCO, j'irai voir. A2, merci. C'est bien Naïm 2 le prochain round. On va espérer qu'il va mieux se passer que Houston. En tout cas, ça se passe pour Gauthier pour le moment. 6ème. Il n'y a plus qu'à assurer, il a pas mal d'avance. Il a 9-3 d'avance. Putain, c'est vraiment pratique ce petit panneau. Moi en fait, j'ai un autre panneau encore plus complet que le vôtre que vous voyez là-bas. Où je vois vraiment tout le monde. Et c'est du genre ultra pratique pour suivre la course. C'est que leur, ce que je disais au début, hein, le putain de bandeau là-haut, il est tellement pas pratique pour suivre la course. Là au moins, on peut vraiment bien suivre. Alors, je l'ai codé moi-même, Rionix. J'ai juste dû demander un accès serveur pour avoir accès directement au fichier result. C'est un peu compliqué à faire. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Je crois que c'est Talisker, c'est marqué en bas. C'est Christophe qui nous l'a fait. Enfin, moi, il a fait le fonctionnement. Moi, j'ai fait l'affichage. Et c'est cool. Du coup, c'est super pratique pour suivre les courses. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pour ça que je vous l'affichais maintenant, même si je commande pas. Moi, vous pouvez suivre plus tranquillement. Ouais, les hoops de Houston n'étaient pas simples. Et surtout que c'était un track super rapide, et moi j'aime pas les tracks super rapides, c'est pour ça. Non, ça sera comme ça pour commenter. Parce que je vais vraiment commenter en vrai la course, donc... Non, je mets des caméras comme ça pour faire plus réel. Oula, ça s'est découpé dans le sable. Du coup, Gauthier qui repasse 4. Ça se passe. Ouais, toujours dans la MT Factory, même si je joue plus beaucoup, mais toujours dedans. Enfin, il est pas compté officiellement dedans. Il est, il joue plus vraiment, mais on le garde dedans. Parce que voilà, s'il veut revenir à jouer, il est super sympa, il n'y a pas de soucis. Ouah, il a presque eu de la chance. S'il veut revenir, il n'y a pas de soucis, quoi. Prendre le track se défonce à fond. Ils ont mis une run un peu fort, peut-être, pour la course. Peut-être quelque chose est final, à mon avis. Parce que là, le virage est bien creusé déjà, ce virage-là. Bah, c'est dans ton nom. C'est dans ton... Là, quand tu vas dans ton buy setup, ici, il faut que tu mettes là ton... ta team. J'ai tellement travaillé à Houston que j'ai vu ce sanguin des yeux qui ont pété. Donc, j'ai les yeux tout rouges, les gens me regardent bizarre au lycée. T'inquiète pas, c'est avec l'habitude, tu les auras tout le temps les yeux tout rouges là, à cause des écrans.
Putain, un propre le scrub là de Gauthier. Et all clean, hein. Ce qui manque à mon leaderboard, c'est les temps autour. Faudrait que je vois pour les ajouter. Pas de sympa. Par contre, au mode Stephen Stepoff, il est tellement à l'arrache. Oula, 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 oula. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Bah t'as le nom de la musique là-bas si tu veux voir. Enfin là c'est une musique YouTube que j'ai déjà, c'est un mix donc t'as le nom du mix mais tu peux aller voir. Paradise. Ah non, c'est même pas un mix. De toute façon t'as le nom qui s'affiche qui déroule en bas. Ah des fois ouais, les scrubs t'as la chance et ça passe, et des fois t'as pas de chance, ça passe pas. Y'en a qui d'autres qu'on connaît là-dedans? Y'en a pas grand monde. Hein. Sinon les premiers on les verra après. Ouais c'est possible que ça soit ouais. Pour le moment c'est tendu, faut pas qu'il fasse trop d'erreurs Gauthier, mais ça passe. Attention, oups, c'est passé. Non, l'autre qui touche. Pas de chance. Après il y a un gap de 12 secondes entre le 7 et le 8. On va voir comment il va repartir. Prochaine gate. Non, il y a plus de 4 secondes, ça fait beaucoup. Personnellement, la moto en vrai, c'est plus facile que pour moi que sur Mixivator. Oui, bah c'est toujours plus facile en vrai que sur les jeux. Oula, ah oui, c'est bon, il est passé. C'est... Je dis, qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis sûr, c'est qui? C'est bon, c'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais savoir quoi? Le mec qui t'a fait tomber là? Ouais, c'est lui qui est Kenno Lucas ça. J'avais pas vu. Il était pas avec toi en même tour que toi? C'était un lapin? Non. Impossible. Là, c'est un lapin, mais il y a que lui sur une Honda. Pourquoi tour 7 sur 1 pas Honda. Ah oui effectivement le tour, je sais pas pourquoi ça affiche mal le nombre de tours. C'est parti pour Tom Guyon qui va tester. Normalement ça devrait afficher bien les tours, je sais pas. Faudra que je regarde mon fichier, il doit y avoir un truc à sauter. Anaheim 1 c'est pas lui à la hit là qui a voulu me découper aussi là. Je vais regarder vite fait tiens si je... Bon c'est pas grave. Ouais, tiens. Si je crois bien que c'est lui. Ouais. Alors sur... Le sur 1... Ah si, oui parce que tu lui avais dit je sais. Un problème que non. Ouais. Parce que vu qu'ils sont en minute plus un tour, bah ça affiche que le 1 tour. Faudra que je mette les temps en haut. Le temps plutôt que le nombre de tours, ça pourrait être plus intéressant. Qui fait des putains de temps chrono et... Exactement, je note. Ah, c'est pas un problème du coup, JMMR. C'est juste que normalement ça s'affiche en temps et pas en minute. C'est tout. Et maintenant on est passé. Avant on était en tour comme en Supercross, on était en 20 tours plus une minute ou un truc comme ça. Et c'est plus comme ça maintenant. J'ai le cœur qui commence à monter grave. C'est en temps maintenant, c'est pour ça. Je suis à 84, mec. Attends, bouge pas quand tu vas être sur la grille. Non, le pire, c'est quand tu prends le départ, mec. Quand t'as le premier virage. Le cœur, il va monter à 200, le capteur, il va exploser. T'as mis ta ceinture, là? Mais... Bah ouais, j'ai J'ai chopé son Discord avec Kenno Lucas. Hein? J'ai chopé son Discord à Kenno, là. Quoi, son Discord? C'est pas XTC? Si, j'ai chopé là, il est sur la XTC. Enfin, je sais qu'il est sur XTC. Ah, il est là. La XTC, t'as un souci ou quoi? Putain. Et ça fait des histoires. Ouais, c'est Tom Guillon qui vient de revenir pour sa course. Du coup, je vais me remute pour laisser faire sa course. On va se mettre sur lui, tiens, pour qu'il ait la pression. Capteur, il va monter à 200. Déjà, rien que je veux dire, il y a 250 personnes sur le live, boum, un pic. Il y a 250 là? Non. Ouais, il y a 250 personnes qui prennent. Non, t'as envie de perdre. Alors non, là c'est le round 2 des 450. Après, on va se revoir LCQ, on va commencer à commenter à partir de LCQ. On va voir notre ami Mathias. On va suivre un peu si ça veut bien se lancer. Ah, ça y est. Je pars en 2 ou en. Vous avez refait votre pack
Ah non, j'ai pas ton pack. Pack VRT, mais oui, je l'ai. Non, je sais pas. Oh. Je dois pas l'avoir. Moi, je le vois, Tommy. Je dois pas avoir votre pack, faudra que. Mais qui monte le capteur top. Je vais vous télécharger. Attends, je la regarde pas pour l'instant. Je vais voir un meuple. Là, il doit être à 200. Ah, non, je suis à 80, je suis à 80 pour l'instant, je suis à 80. Il faut pas que je m'affole. Ah bah non, ça c'est sûr, sinon le cœur il va lâcher. Je vais prendre leur sac, comme ça je vais les avoir après. Guette le loup, grosses épaules, il tombe pas. Il faut pas que tu t'affoles, Thomas, passer les gros enchaînements. Il va découper. Hop, je prends leur sac, comme ça je les aurai pour après. Hop, je me mute juste histoire de voilà. Ça va vite être le bordel. Comment je fais une impulsion arrière avant? Oui, c'est le vrai pilote de la Team VRT. Alors là, c'est le hit 2 450. Hit 2 450. Hit 2 450. Mister Guillon. Ah, c'est possible qu'il y ait des petits drops vu que je télécharge son pack en même temps. C'est pas pour longtemps, il n'y a pas pour longtemps, ça va durer une petite minute les drops, vous inquiétez pas, hein, c'est bientôt fini. J'ai le temps de télécharger. Don't worry! Non, c'est juste que je télécharge en même temps, mais ça va aller vite. C'est juste le temps de télécharger son pack. Vous inquiétez pas! C'est normal. C'est juste qu'elle aime pas quand je télécharge et que quand je fais tout en même temps en fait. C'est quasi fini, c'est. Je vais me mettre là, comme ça je vais voir. Il reste une minute, ça va, dans... c'est quasiment fini. C'est juste pour vous le voir après pour la course. S'il faut les deux, on va prendre les deux. Je sais, j'ai rien du tout hier, c'est le pire. Je fais bien attention quand je roule que je ne télécharge rien. Heureux, Damso. Pour le moment, ça se passe. Pour Tom, deuxième. Oui, c'est normal. Oh. Ça va être fini dans une minute le rollback, t'inquiète pas, c'est juste que je télécharge en même temps. Elle arrive juste après la KTM, t'inquiète pas. Bon, on va parler de freeze, vous parlez de quoi dans le chat là? Pas grand chose hein. D'ailleurs que vous pouvez commencer à partager le live. Vu qu'après le 8, on commente en direct avec Mathias les courses. Par contre, j'ai plus d'eau. Je vais juste aller chercher de l'eau avant, vite fait. Je reviens. D'ailleurs, en fait, n'hésitez pas à venir dans le chat avant qu'on parte. Ça vous plaît, genre de live où c'est un peu plus détente pendant la première heure, grosso modo, même si je commence à 21h30 plus tard, et qu'on commente qu'à partir des LCQ et des main events. Dites-moi si ça vous intéresse, petit format. Merci Antoine du partage, merci. C'est quoi le meilleur track MX et SX en ce moment? Aucune idée quoi. Mais non, je suis allé chercher de l'eau! Putain.
Putain, vous faites chier. Oh là là. Putain, fallait pas que je vous laisse avec l'AMT tout à l'heure. Ça va pas. Tom qui est en tête actuellement. Avec une seconde d'avance. au tour, normal, j'ai envie de dire. Oula. Oula. Le cœur qui... Il a mis sa ceinture en plus. Il a, à mon avis, il a le cœur qui monte à balle là. Bah en fait, c'est que c'est à la fois un live détente. Comme ça, je peux vraiment parler avec vous au début. Je sais que ça va faire chercher, mais d'un côté, on regarde du MXS en même temps, on discute. Et après, non, en fait, après, je ne joue pas. Je vais commenter en direct, en mode comme les vraies courses de moto, comme, voilà, les courses avec Mathias. Mais je veux pas faire toute la soirée, parce que ça fait beaucoup de courses, et je commente toute la soirée, les hits, plus les LCQ, plus... Même pour moi, je suis claqué à la fin, et du coup, c'est pas intéressant. Pour le main event, je peux pas vraiment être à fond. Alors que dans ce format-là, vu que je discutais à la cool, je suis en posé avec vous avant, bah, quand j'arrive sur le LCQ, sur le main event, bah, je suis vraiment au taquet pour commenter, parce que je me suis pas fatigué avant. J'ai encore de la voix, j'ai encore de la salive, c'est... C'est ça que c'est cool. Bah, du coup, Tom, en plus avec le petit panel là-haut maintenant, vu que le MF m'a donné accès, bah, c'est pratique. Je pourrais d'ailleurs, il y a Starter System qui voulait voir, du coup je vais pouvoir lui passer la rediff, voir un peu comme pour qu'il voit comment ça se passe. Non, c'est bizarre que Freolich vous... Ah, parce que son nom, à mon avis, il s'appelle U.Freolich, donc forcément, ça lui coupe. Vu qu'il a coupé son nom, ça lui coupe dans le panel. Sinon, dans le swap, pour tout le reste, ça s'affiche à peu près pas trop mal. Je suis content. Qu'est-ce que le chat, tu veux sortir? Regardez. Il va commenter avec moi, le gros matou. Ça y est, vous regarde, ça y est, vous avez vu. Je vais vous manger le gros chat. Wow. Allez, dégage. De côté, débile. Allez. Non, c'est moi qui lui ai envoyé directement le lien, vu que j'avais le panel. Je me dis, tiens, ça pourrait t'intéresser. Il me dit, ouais, carrément. Il faut juste qu'il voit comment ça marche. Les temps moyens, là ça roule vite à mon avis. Hein. Pas tant que ça. Une minute, ouais, c'est une minute à peu près le temps moyen. C'est un peu plus. 59, 57. Putain, il est rapide lui pour un 11ème. Ouais, c'est à peu près ça, une minute. Ah, ça y est, j'ai tous ces trucs en fait, je vais pouvoir les mettre. Hop. Alors, moto, envoyé vert. MX Simulator. Tenue. Hop là. Juste un petit reboot rapide histoire de hop, d'avoir le skin. Impeccable. On peut encore suivre la course, c'est pratique. Donc c'est pas du tout lié à MX Simulator. Et si je quitte, vous avez encore le panel. Une 15, bah c'est du début tout, ouais. Après, savoir que les meilleurs roulent en 55. Juste pour information. Voilà. Comme ça vous avez... Oula. Ouais, ça déconne, voilà. Vous avez sa moto. Bah, je viens de finir. Ah non. 0,55, Etienne l'a fait alors qu'il roule en amateur. En 2,50 amateur. Bon, on va pouvoir commencer à commenter.
On va se rapprocher de Monsieur Mathias. Bon alors, le cœur ça donne quoi? 80, j'ai essayé d'aller, je suis resté à 80 toute la saison. Ah, ça va, t'as géré. Ah ouais, j'ai soufflé grave. Du coup, merde pour les finales. Hein. Bah ouais, faut. Moi je vais aller commenter avec Mathias. Commenter, on va les commenter. Mettez-vous pas trop sur moi parce que. Commenter la course, bon, on va suivre un peu tout. Bah, si t'es premier, oui, on va te mettre sur toi. Oh bah non, faut pas. Bon allez. Et j'espère qu'ils vont baisser les rotes par contre parce ouais, que. Ouais, c'est fort. Hein. Ah ouais, elle est forte. Ouais. Ouais. Bon. Ça détruit vite. Bon allez, je switch. Ça marche. Salut. J'ai switché Mathias avec moi. Comme ça, il va pouvoir venir commenter. On attend qu'il arrive et on va commenter ça. Ah, Van Beveren, il est tombé. Van Beveren. Merde. Pas de chance pour les Français cette année. Hein. Entre l'abandon de l'Ub, hein, l'abandon de Després. C'est tendu le Dakar cette année. Non, je roule pas ce soir, je commente en direct. X-Ride. D'ailleurs, je vais vous couper la musique. Commenter. Pour que vous entendiez mieux le jeu. Je vais augmenter les sons des motos. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Mathias. Welcome. Bienvenue. Hola, que tal? Hola. Tu utilises le panel, du coup, le leaderboard ou pas? Oui, je l'ai. Ah. Tu utilises pas les deux? Si, j'utilise les deux. T'as essayé, j'ai réussi à couper, au fait, par rapport au nom, prénom, etc. Oh non, ouais, j'ai vu. Ça s'affiche bien. Parfait. Je voulais juste augmenter le son. Ça c'est bien comment passer les problèmes avec. Non, il s'en fout. Augmenter le son ici. Ici. Par contre, je crois que c'est au niveau des tours, je crois que c'est un peu... Oui, parce que bah, nos courses sont en temps. Donc il faudrait que j'affiche le temps plutôt que... Ah oui, les tours, oui. Voir. Oui, après, c'est pas extrêmement grand. Oui, parce que du coup, on voit pas trop où on est dans la course. Du coup, ce que je pourrais... Bah, il y a juste le nombre de tours, je crois. On est à quel... tel... Enfin, genre, voilà. Le nombre de tours qu'ils ont fait, quoi. Je vous ai descendu un peu le panel, comme ça, si vous voulez voir le temps à peu près. C'est marqué au-dessus, dans mes infos. C'est vrai que c'est marqué en tout petit, du coup. Il faudrait que je vois un peu comment modifier l'affichage de ça. Non, ce que je pourrais faire... Parce que du coup... on pourrait rogner le haut, en fait. T'as regardé un peu les manches qualifs? Ouais, bah je discutais en même temps, mais oui, j'ai suivi, ouais. Mais il y avait de belles bagarres, hein. Ah non, du coup, je... Alors, non, follow sur ma chaîne Twitch. En tir comme ça. C'est celui que je voulais... Merci à celui qui vient de me follow. Hop. Les gars, ils t'en pichent. Je vais couper un peu le haut. Qui roule devant nous. Du coup, non. Un administrateur, hein, de l'organisation. Il fait un peu n'importe quoi pendant cette pause. Les organisateurs qui sont en train de préparer les scripts, hein, pour les repêchages, bien sûr. Je suis en train de voir pour faire un meilleur affichage, en fait, de la course. En soi, on s'en foutait un peu de ce qu'on voyait. Les infos qu'il y avait en haut, on s'en foutait un peu. Hop, je vais mettre en plus grand. En quasi plein écran. LCQ top 4 transféré, ça va partir. Hop, on va faire un petit test là. Voilà, on est pas mal là. Voilà, nice. Comme ça, vous avez vraiment tout l'écran et là, il n'y avait vraiment pas de truc qu'on voit mal. Impeccable. Nice. C'est parti pour ce LCQ. Top 4 qualifié. 3 minutes plus un tour, si je me rappelle bien. Nous avons. Tac, tac. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pilotes en 2,50. Et. Du coup, on en a une vingtaine quand même en 4,50. 22. Donc on a tout le monde. Il manque un peu de personnes en amateur, mais c'est normal. Il devait y avoir moins de 40 qualifiés de base. Du coup, on est parti pour commenter cette petite course.
Partie du LCQ, moi je vous switch ici d'ailleurs, je voulais vous switcher là. Que j'ai pas changé la bonne scène comme un couillon. Et c'est parti. En attendant le restart de la course pour lancer ce LCQ. Hop, quand je passe des Mathias. Alors l'IP du serveur, tu l'as là. mfracing.mxsim.fr 2.19800. Et du coup, si tu regardes en même temps la course, et moi je suis décalé à cause du stream. Attends tranquillement le restart, je vais mettre parti. Commenter cette course. Hop, je me mets dans de bonnes conditions pour vous commentater tout ça. Paf. J'arrive pas à passer le virage. Bah tu tournes, Valrox. Tourne. Il sert à mieux si tu tournes. Ah, Gaëtan Piche qui se réveille. Config mini, tous les PC le font en configuration mini, tourner ce jeu. C'est juste qu'après, c'est pas les graphismes que tu veux. Très bon conseil de Kawa, ne pas faire un off sur les gaz. C'est pour ça qu'il faut mieux jouer à la manette qu'au clavier. Ouais, Mathias, comment t'es avec moi? Je suis pas où il est parti. Ah, c'est de nouvelles annonces. Du coup, il y a un peu moins de pilotes. Ah non, oui, ça. Il y a plus de pilotes en 250. Il manquait du monde, c'est pour ça que ça a dû prendre un peu plus de temps. Et nous avons actuellement 16 pilotes pour ce LCQ. Top 4 qualifiés. Ça va être tendu pour eux. On va suivre un peu cette course, voir un peu comment ça va se dérouler. Je suis désolé, par contre, j'ai pas les skins des riders. Je n'ai pas leur tenue. Mais bon, c'est pas grave. On est parti pour ce petit LCQ. Si je me rappelle bien, 3000 plus un tour. Je crois que c'est 4 du coup. 4 pour eux ? Ouais, parce qu'ils ont... Ils ont changé justement. Ok. Après un A1, normalement c'est 4000 plus un tour. Du coup, 4000 plus un tour pour cette course. 4 qualifiés sur les 16. On va voir un peu qui va sortir en tête. Attends, vous avez la liste des pilotes qui défilent sur le côté. And get drop. Yes. Oh, Dieter qui a resté. Ah non, c'est pas Dieter qui reste un peu bloqué dans la grille, un pilote. Bon, forcément, les chutes classiques, hein, au début de course. On a l'habitude. Oh, gros paquet dans ce premier virage. Et du coup, ça va servir à... C'est le warm-up pour l'instant. Jules, t'es sûr? Ouais, all good. Oui. C'est le warm-up. Ouais, all good. Peut-être que le son est peut-être un peu fort du coup quand il passe devant la caméra. C'est assez chiant à régler ça au niveau du son. Ouais, tu m'étonnes. On va se mettre à 6. Peut-être mieux. Allez, go. Bah, les skins elles sont trop à télécharger, trop lourds, trop chiants. Donc il n'y a pas de skin. Et surtout, plus un tour. Pour les amateurs, il y en a très peu qui partagent. C'est chiant à trouver les skins des amateurs. Ouais. Surtout ça. Du coup. Allez, let's go. Let's go, 4 minutes plus un tour. C'est ça, ouais, exactement. 4 minutes un tour pour choper les 4 places de repêchage pour ce main event 250. 16 pilotes au départ. On va voir qui va s'en tirer le mieux. Et c'est Jérémy Monceux, ouais, qui a fait le all-shot. All-shot de Jérémy Monceux. Excusez-moi, je galère un peu, mais oui, c'est bon. Hop là. Et du coup, ça passe tout juste. Ouh, Jérémy Monceux qui fait petit gauche-droite.
Yann Hurst, oh là là. Bah, du coup, j'en profite pour prendre la tête. Bah, du coup, j'ai un qui vient de chuter. Ouais. Du coup, on a Jan Hurst qui a pris la tête de la course. 4 minutes pour ça va très vite, c'est à peu près 5 tours sur cette piste, 5 voire 6 tours. Fonctionnalité ouais, des pilotes. Les meilleurs temps se font sous la minute. Ah. Hein, oula, Niklas qui vient de se mettre une sévère. Ouais. Dans la ligne droite. Du coup, Kenny Verpoest. Ils sont tous des noms imprononçables. Qui s'en sort plutôt pas mal. Qui vient de prendre cette deuxième place. Ouais. Compléter ce podium, on a Vladimir Mvorak. Et quatrième, donc le dernier pour le moment qualifié, mais on sait tous, un initiateur tout peut changer. Matt Taylor qui vient de compléter ce top 4, vu que c'est le top 4 qualifié par la suite. Jan Hurst qui est déjà bien parti, hein. Qui a déjà creusé l'écart. Ouais, il est déjà 4 secondes d'avance. Ça va très vite pour lui. Chute dans le sable pour Vladimir Mvorak. Écoute, Matt Taylor qui va pouvoir prendre un peu l'avantage. Ça en profite à Vincent Modigwin qui vient de reprendre du coup la 4ème place. Juste assez, même si on a Kevin Rouen qui est juste derrière, qui est à moins de 2 secondes de lui. Donc ça reste, tout est jouable. Hein. Je rappelle, une chute sur ce jeu, c'est à peu près 10 secondes. Donc forcément, tant qu'on n'a pas plus de 10 secondes d'avance, ah bah voilà. Je chute dans les hoops. La correction pour Matt Taylor dans les hoops. Hoops très difficile cette année sur Houston, très très compliqué à prendre. Les pilotes ont tendance à vouloir être un peu rapide, et du coup, bah, ouais, ils partent à l'erreur, alors qu'il ferait peut-être mieux d'assurer un peu, comme je disais, c'est 10 secondes. Et si on assure plus, bon, on perd pas 10 secondes dans les hoops. Donc il faut peser le pour et le contre et réussir à trouver ce qui est bien. Et pour l'instant, c'est les deux pilotes du team J3K Racing qui sont qualifiés, 3ème et 4ème. Exactement, ouais. Oula, Vincent qui fait une erreur, qui passe derrière le virage. Juste derrière, hein, on a Max Player qui est en bataille avec Mac Taylor. Mac Taylor qui avait essayé de reprendre sa place quand même, il était dans le top 4, il avait essayé de revenir. Rien n'est perdu pour ces pilotes, hein, ils sont vraiment tout proches. Ça, c'est très collé pour ce... Ah, Matt Taylor qui reglisse dans le sable. Ouais. Pas simple, hein, cette petite partie avec la déformation de la piste. Max Player qui va attaquer Vincent Manoukian. Yes, et ouf, oh. C'était lift. Tendu. Vraiment, il faut réussir à doubler sans faire trop d'erreurs, parce que sinon on part vite à la faute et c'est directement bah, parti. Bah voilà. Ça a été la faute de Vincent et ça a permis à Max de venir prendre la 3ème place et d'assurer un peu plus sa qualification pour ce LCQ. La 4ème place pour Max, hein. Oui, exactement, 4ème place, oui. Autant pour moi, il était 5ème. Du coup, il est passé dans les qualifiés. Petite chute. La glissade. Pas très... Oh, Vincent qui lui tape dedans. Pas très compréhensible comme chute. Ouais, on va voir. À mon avis, il a dû trop pencher à l'arrivée dans le virage. Ouais, perdre l'avant, perdre l'adhérence de l'avant. Ouais. On va suivre un peu, parce que c'est quand même cette partie la plus intéressante. Hein, le 4ème, la bataille entre le 4ème et le 5ème, sous qui sont très proches. Ouais. Donc, on va suivre un peu cette course. On va se mettre sur Vincent. Pour voir un peu derrière. Vincent qui choisit de prendre l'intérieur. Oh, Max, qui fait une erreur. Max qui refait une erreur. Didi, il peut avoir un peu de mal. C'est pilote de 50 avec ce saut d'arrivée. C'est vrai qu'il est pas simple avec la sélection de hoops avant. Du coup, Vincent devant, pas de changement. Prend une bonne option pour cette course. Ils sont à 3 minutes 39 de course. On va aller voir un peu en tête de course comment ça se passe. Avec Kenny Vorpost qui se passe plutôt pas mal. Ah, Kenny qui est revenu sur Kevin Rouen. Ouais. Ah, petite erreur de sa part, du coup Kevin a pu reprendre un peu d'avance. On va regarder un peu ce duel pour cette 2ème place, tant pour moi. Ça se passe plutôt bien hein, pour ces deux pilotes. Ouais, les pilotes qui sont sur leur place. Hein. Mmh. Faut pas prendre de risques, hein, ils sont qualifiés. Ah, ça fait du wow. On a Kenny qui a un peu de mal quand même derrière, dans cette ligne droite là. On sent que ça pêche un peu plus au niveau technique, ces pilotes. Le physique et le mental commencent à craquer. Ouais, dernier tour. Dernier tour. Last lap. Donc actuellement, et Vincent, toujours 4ème. Si on fait John Horst qui est très loin devant, hein, 13 secondes, il a une chute de marge à peu près. Et encore, il a encore de l'avance sur les autres pilotes. Juste derrière lui, oula, attention, lapeur. Ça peut partir à la faute très vite là avec les lapeurs. Ouh, c'est bon, il a réussi à gérer. Juste derrière, on a Kevin Rouen, enfin juste derrière, 13 secondes tout de même. Ouh, Kevin qui vient de chuter. Du coup, Vincent va passer. Et est-ce que ça passe pour Vincent? Kenny. Non, ça. Kenny non, juste derrière. Oh là, ça va être tordu. Juste hein. Derrière. Ouh, on va suivre là parce que là c'est. Ouh oh là, Kenny qui a été tout droit. Qui a été tout droit, du coup. Ça profite à Max. Ouh là. Niklas qui s'est un peu raté. Tendu là pour cette bataille. Ouais. Max qui est 4ème pour l'instant. Mais rien n'est gagné. Hein. Cette session de hoops, attention. Faut vraiment assurer ses hoops pour pas prendre. Ah bah, Niklas qui part la faute derrière. Aïe. Ça se concrétise pour ces pilotes là, pour Max, ouais.
qui va réussir à aller chercher son main event. Ça va faire que des doubles à mon avis. Pour vraiment assurer. Ouais, bah, c'est ça, exactement, que des doubles. On assure, on prend pas trop de risques. Kenny est trop loin derrière. Hein. Et ça devrait passer pour ces 4 pilotes. Donc on rappelle, hein, Johan Horst qui a gagné haut la main sur LCQ, 22 secondes d'avance. On a Vincent tranquille, qui a fini deuxième avec juste seulement 2 secondes d'avance, 2 secondes 8, c'est très peu. Juste derrière Kevin Roan qui était très proche, très très proche. Et finalement, on a le quatrième qualifié qui est Max Player, vu qu'on rappelle le LCQ. 4 premiers qualifiés uniquement en 4 minutes plus un tour. Ça va très vite, vous voyez, là on a fait 6 tours. Ça va très très vite. Dommage, hein, Jérémy Monceau qui termine 6ème, qui avait fait un bon départ, qui avait fait le all shot. Ouais. Et la place du con, hein, c'est pour Kenny Vorpost, ouais, qui était pendant un moment qualifié en plus. Ouais. Comme quoi, le LCQ, faut vraiment. Faut limite, on a vu, il y a pas mal de chutes dans ces catégories-là en amateur. Ouais. Jouer la régularité. Ça sert à rien d'aller vite. Si vous êtes 6ème, si vous jouez la régularité, ça va payer. Parce que vous avez vu, ils sont tous à peu près chutés une ou deux fois. Et forcément, bah, la régularité, bah, vous passez devant. Dommage. Donc déjà un beau premier LCQ par le de bataille. Ça nous offre du bon pour la finale. On va passer au LCQ 450. Aussi on a beaucoup plus de pilotes. On a 20 pilotes. Toujours 4 places. 20 pilotes pour 4 places. Mmh. C'est toujours 4 encore places. Plus compliqué, hein. Toujours 4 minutes plus un tour. Ça va aller très très vite. Et surtout qu'on a un pilote à surveiller, hein. C'est Théo Bultel qui a la plaque rouge, hein, qui a gagné Anaheim, qui est leader du championnat. Ah, et qui a pas réussi à passer le LCQ. Non, qui a échoué à la 10ème place. Intéressant, effectivement, avait pris on va le suivre de près avec son numéro 129. On va se mettre sur lui, tiens, pour le départ. Si on le trouve... De toute façon, c'est le LCQ, hein. Enfin, c'est le warm-up. Temps de voir si tous les pilotes sont bien en gris. Visiblement, oui, parce que la grille avait l'air bien remplie quand même, tout de même. Ah, bah voilà. Très piégeux, hein, ce départ sur X Simulator. Beaucoup, beaucoup de chutes dans les premiers virages. Dans le premier, deuxième, troisième virage. Un virage à 90 degrés, hein, quand même. Ouais, 90 degrés, sorti comme ça. Les gens ont peur, veulent pas freiner, donc ils rentrent dans le tas. Alors, surtout en amateur où... Du coup, bah, il maîtrise pas trop. Bah voilà, vous avez vu Théo, un très bon exemple de ce qui se passe souvent, très très souvent. Et ça se passe souvent en amateur, en catégorie pro, ça gère un peu plus, ça assure un peu plus. Et après, les contacts dans les mixémeteurs n'aident pas, vu qu'ils sont pas super bien gérés. Et bon. On va se remettre sur lui, voilà. Et il part tout à l'intérieur, il y a peut-être plus de chance ici, le pilote Icon Visual. La grille qui est bien remplie, hein. Ouais, bah 22. Allez. 20 pilotes pour 22 places. 20 pilotes. C'est du monde. Merci. 4 places, c'est parti. Axe Power Killer qui vient de follow. Et... C'est parti. Oh, un bon départ de l'extérieur. Voilà. Théo qui a choisi la bonne option, hein, prendre l'intérieur et serrer l'intérieur pour vraiment assurer cette place. C'est... Voilà, ça paye. Nicolas Blum qui a fait le meilleur départ avec juste derrière lui Théo Bultel. Théo qui a fait le plus important. Qui a pris un bon départ et maintenant qui passe en tête. Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à dérouler maintenant pour Théo sur sa Husqvarna. Il n'y a plus qu'à dérouler, il n'y a plus qu'à assurer, pas de chute bête. Oula, c'était un peu tendu la fin de ces oups. Mais c'est bien passé, hein. Nicolas Blum qui assure, hein. ça tente des trips. Forcément que les 450 c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile. Les enchaînements vont être plus gros. Est-ce que Nicolas va attaquer un peu la première place? Non, je sais pas. On va aller voir un peu comment ça se passe derrière. Je pense pas qu'il va prendre de risques. Hein. Axel Dieu, 3ème, et actuellement. Le dernier qualifié à la fin de ce premier tour serait Mike Moyner, mais on l'a vu à la course précédente, rien n'est joué tant qu'on n'a pas passé le drapeau à Damier. Ouais, surtout que juste derrière lui, il y a Edouard River. Ouais, qui roule fort, hein, on voit ça scrub sur le trip, ça cherche vraiment à optimiser. Ouh, les traces. Oh, tiens. La grosse correction. Oh là là. Ouais. Edouard qui a pris un peu trop de risque là. Hein. Un peu trop sur l'arrière, un peu long sur cette triple. En montée, forcément, bah c'est tout de suite la correction. Du coup, ça profite, hein, à ces 4 pilotes qui s'échappent un peu. Ouais, là où déjà une petite dizaine. Ouf, Mike qui a chaud, qui arrive à rattraper tout juste. Il assure. Chute d'Axel Dieu. Axel Dieu qui repart par 4ème du coup. Ouais, juste derrière on a Jean-Michel Boquette du team Icon Visuals. Corentin Mabru
qui est juste derrière aussi. Ouh, l'attention s'est tendue pour lui. Matt Doizen, c'est compact hein, là pour la course. Ouais. C'est très compact. Très intense comme course. Alors devant, ça se bataille toujours. Niklas Blum qui a repris la tête du team Blum Racing. Team qui a auto-créé avec son frère. Théo Bulten. Bultel qui est actuellement deuxième pilote Icon Visual. Qui, ça déroule, pour le moment, ça déroule pas mal. Maintenant, ils ont juste à assurer. Hein. Ils ont pas mal d'avance. Une petite dizaine de secondes d'avance. Oulala. Axel Dieu qui tombe. Qui est en quatrième position. Et là, ça resserre les rangs. Hein. Mike Monnier, oh, Jean-Michel Bocquet, Corentin Mabrouy, Matt Dose. On va regarder ce duo parce que Théo qui attaque quand même malgré sa deuxième place en LCQ. Il attaque. Oui. Hein. On va se laisser un peu dessus, voir comment ça va se dérouler cette course. Mais Théo se laisse pas faire. Hein. Plusieurs pilotes, même moi personnellement. Ouh, c'était tendu pour lui. Personnellement, ouais, j'assurerais plutôt deuxième place en LCQ. J'assure, j'ai pas mal d'avance. Il a 10 secondes 3 d'avance sur le troisième. J'assure, je cherche pas à attaquer, à finir premier. Oh, il passe le quadruple. Ouf, ouais, ça attaque fort. Hein. Il prend beaucoup de risques, ça peut lui coûter sa place en LCQ. Hein. D'un côté, il se lâche pas, il garde le rythme pour le main event derrière. On rappelle que c'est la plaque rouge du championnat. Il a quand même gagné à Naïm 1. S'il est là, il a pas sa place en LCQ. Donc aussi, forcément, il tarte les gros enchaînements. Faut pas perdre le rythme pour le main event. Main event, ça va beaucoup plus vite, forcément. On a les meilleurs pilotes qui se retrouvent là-bas. Donc d'un côté, il a un peu raison. Il a un peu mal d'avance. Il a à peu près, il a le droit à une chute, en gros. Voilà, qui tente les tripes. Voilà, ça passe beaucoup plus vite, forcément. Eh, hey, Niklas qui se laisse pas faire, hein. Eh ouais, non, l'intérieur. Ça bataille pas mal, là, les enchaînements qui sont assez similaires pour tous ces pilotes. Merci à Mewen qui vient de follow la chaîne. Merci à toi, welcome to the family. Ouais, ça reste propre, hein, entre les deux pilotes. Ouais, ça reste un beau dépassement, c'est des contacts dignes de la catégorie pro, hein. En amateur, ça découpe souvent, mais là, c'est joli à voir, vous savez. C'est sympa pour le spectacle, c'est vraiment... Ah, Niklas cool. Qui s'est un peu loupé. Ouais, du coup, Théo qui ne tente pas lui, mais qui est revenu au contact, du coup. Oh là là. Attention à la déformation de la piste, hein, qui est assez prononcée sur cette piste de Houston. La terre est très molle, la piste se déforme très vite. Ouh, ça passe pour Théo. Oh là là là, c'était tendu. Suite à la faute de Niklas, c'était tendu entre ces deux pilotes. Les deux ont failli partir à la faute, là, sur l'arrivée. On attaque l'avant-dernier tour. Ils viennent de passer la barre des 4 minutes. Donc 4 minutes plus un tour. Prochain passage sous l'arrivée, c'est le drapeau blanc. On va voir un peu comment ça se passe derrière avec Niklas, du coup, ce petit duo, qui ont 11 secondes d'avance sur Matt Doyce, qui est à peu près à l'aise, qui a 5 secondes d'avance sur Mike Monnier. Mike Monnier, du team F-Crew, Tuola. D'ailleurs, encore à 5 secondes, Corentin Mabru. C'est pas perdu pour Corentin, on sait bien, une chute, ça peut aller très vite. Donc, faut pas lâcher les bras, faut continuer de rouler régulier, garder les petits temps, enchaîner tour en 1 minute, 59-58. D'ailleurs, je suis intéressé de voir devant, ça roule combien, parce que ça se bataille. Ça roule en 57-58, ça roule très vite devant. Ah oui. Pour des amateurs, ça roule très vite. 58-5 pour Niklas, toujours en bataille. Hein. D'ailleurs, on va regarder le dernier tour entre ces deux pilotes, parce que c'est quand même une victoire de LCQ, ça reste une victoire. On va quand même voir un peu comment ça va se dérouler. Bon, le plus important reste la place en finale quand même. Mais c'est vrai qu'au niveau du choix de la grille, on sera un peu mieux placé. Forcément. Après avoir, des fois on n'est pas si mal tout extérieur, on est bien tranquille, on arrive à éviter les chutes au début, surtout dans les virages à 90, on arrive à être à peu près tranquille. Donc à voir. Mais surtout que là, le départ sera très important pour toi en finale. Hein. Ouais. Lui qui est leader de championnat, il a intérêt à prendre un très bon départ. Hein. Faut pas être gêné, sinon par ça tout va être compliqué d'en remonter. Hein. Sauf que ça roule très vite, tout le monde roule à peu près pareil sur cette piste, donc forcément, attention au lapeur, au retardataire, ça peut créer la surprise et l'erreur dans l'enchaînement ici. Sur le dernier enchaînement pour Théo Bultel. Ouh, qui glisse un peu. Du coup, Niklas qui tente le triple et qui passe les triples. Ça va être tendu, hein, ça va tout jouer. Oh, ah voilà, c'est fait. Théo qui a glissé. Petite erreur de sa part. Et du coup, ça va profiter à Niklas Blum qui va remporter ce LCQ et assurer ses places en finale. Et qui sera du coup à la 19ème place sur la grille. D'ailleurs, on a Théo Bultel qui vient de passer tout juste. Matt Doyce qui finit. C'est tendu pour lui. Oh, Mike, il est intervenu au contact. Hein. Ouais. Mais ça passera pour ces deux pilotes. Voilà, on va quand même attendre que l'arrivée passe. C'est bon, ça passe pour ces deux pilotes. Et dommage, Corentin Mabru, place du Conkin. Oula, qui finit en triple salto avant. Qui ne passera pas sur LCQ, qui s'arrêtera ici, qui ne pourra pas marquer de points cette semaine. Pareil pour Jean-Michel Bocquet, deuxième pilote Icon, qui ne passe pas. Erwan, ça ne passe pas pour Erwan, du pilote XTC. Pilote Single Tracks, ça ne passe pas non plus pour Arthur
Doarwa, ça ne passe pas pour Kono, Lucas, ça ne passe pas pour Alexander Akaz, ça ne passe pas pour Manu Zasiva, qui n'a pas... Casse-moteur pour... Ah non, c'est... oui, casse-moteur, oui. Pour Julien Le Petit, aussi tout de même. Kevin Lebrun, ça ne passe pas non plus. Ça ne passe pas tous ces, pour tous ces pilotes. Axel Dieu, ça ne passe pas. Scott Gendler, ça ne passe pas le LCQ. Edward, ça ne passe pas non plus. Bradley Clay, qui ne passe pas du Team 6. Oscar Schuller, qui ne passe pas non plus. Damon White, qui ne passe pas non plus. Tout de même, 21 pilotes dans cette course. Hein. Maxime Lassen qui ne passe pas. Et Kyrian Evans, qui ne passe pas non plus. Donc on retrouvera ces 4 premiers pilotes. Niklas Blum, Théo Bultel, Matt Doyes et Mike Monnier. En main event 450. Tout de suite, le main event 250. Grande finale 250. Grand favori de cette course, je ne sais pas pour toi Mathias, mais je dirais Étienne Bernard, malgré sa mauvaise performance en hit, mais quand même plus rapide d'une seconde, quasiment en qualification, que le deuxième. Ça reste énorme. Après, les chronos veulent pas dire grand-chose non plus. Hein. Merci Maxime. Oh, ouais, mais ça reste quand même, quand on fait un bon chrono, on reste quand même plus rapide qu'en général que les autres, on cravache moins. Pour remonter. Oui, c'est sûr. Après, il y a Noah aussi, Noah Van Dendal, qui a gagné, qui a la plaque rouge, et qui a fait un très bon résultat au Et du hit. Coup, nous avons Mathias Savy qui nous fait une petite démonstration de roulage, qui est actuellement sur la grille. Oula ! Comme ça. Très gros roulage. Très, très gros roulage. On peut applaudir Mathias. On applaudit le bon départ de Mathias. Ça, c'est... Prenez exemple de la graine. Et toi ? Moi, je suis dessus. On n'a pas... Nous, on est seulement commentateur ce soir. Hop. on est privilégié. C'est ça. Hop là, petit enroulé. Oh, beau gosse. Ouais, propre. On s'amuse pendant la pause. Fais chauffer les moteurs. C'est ça. Hop là. Putain. Oh là là. Montrez-nous vos talents. Merci Max. On va être parti, hein. Talent, c'est vite fait. Allez, l'annonce des finales. On va commencer hein, par la finale de 50. Avec de grands outsiders. Hein. Noah Van Dendal, Fabio Guido, hein. Clayton Cocker aussi qu'on a vu. Kevin Aigle, Étienne Bernard qu'on a parlé aussi. Moi je continue mes enroulés. Hein. Oh ouais, vas-y. Allez, prochain restart. Direction le warm-up. Et le tour Ça de chauffe. C'est parti. On est parti. Non, moi, le temps que je charge. Le grand retour de Fox Rider aussi. Ah oui? Dorian George. Qui a réussi à passer les qualifs avec la dernière place. Ouais. Hein. 9e position. 9e. Mâcherez-vous, je me mets. C'est... Juste parce que bah y a du favoritisme, franchement, je me mets sur Étienne Bernard pour le départ. Forcément, hein. MT Factory représente. RPZ. Ouais, ça se voit qu'on roule en pro, forcément. Vous avez vu, ça, c'est la technique pour être ultra rapide. Ouais, les départs d'Etienne, sachant que c'est la seule tenue que j'ai, donc forcément... Ah, on a un pilote de 52 temps, sur l'intérieur, que je vois le numéro 295, qui est Roy Digbord, qui a choisi de rouler en 2 temps. Donc là... Qui avait été assez impressionnant les derniers AM, qui avait bien roulé. Là, c'est le warm-up, hein. Bon, on a pu voir, il y a encore très très beaucoup de chutes, des très grosses chutes dans le premier virage. Je veux pas t'aider, Danzo. Je viens juste de télécharger pack, moi je vois tout. Donc c'est que t'as un souci de ton côté. On va attendre le restart officiel. C'est juste pour voir si tout le monde est bien là. Ouais. Si tout se passe bien. Allez, let's go. C'est parti pour cette finale de 50 amateurs. 15 minutes. Plus un tour au programme. Qui valait remporter les précieux 25 points de cette victoire. Ah, et Étienne Bernard qui se retrouve à l'intérieur. Intéressant, on va voir comment il va réussir à gérer son départ. Sachant que le 252 temps est largement privilégié pour ce départ, parce que les 252 temps sortent plus rapidement que les 450. Ouais.
Donc, avoir au premier virage. Il y a moyen que Roy Digbird fasse un très bon départ. Etienne qui choisit de prendre l'intérieur, lui. Oh, qui chute. Tranquille. Pas de chance. Et du coup, le shot est pour Tristan Jude qui a pris le shot. D'ailleurs, c'est serré, hein. On a du coup. C'est compliqué, oula. Simone qui chute. Toujours compliqué à voir un peu comment ça se passe. Jérémy Postel en seconde position. Voilà, c'est ça. On peut faire un plus meilleur avis maintenant que les premiers virages sont passés. Voilà, c'est oups, on te rendu. Emmené, il va y avoir des surprises. Hein. C'est oups. Ouais. On peut commencer à passer. Et pour compléter ce podium, pour le moment, on a Logan qui glisse, qui emmène dans sa chute team. Et du coup, ça profite à Kevin. Kevin R. Et Javier Ruiz. Jérémy Postel qui a glissé aussi dans la ligne. Coup de Tristan, prend directement un avantage. Dans cette finale, déjà un très bon avantage forcément dans cette finale de 250. Partir en tête avec un peu d'avance, 5 secondes d'avance, c'est toujours bien. Ah oui. On va suivre un peu ce trio derrière pour la deuxième place. C'est assez compact, voir un peu comment ça va se démêler, comment ces pilotes vont réussir à s'en sortir. Javier Ruiz, Kevin, Jérémy Postel, Logan, ils sont 4 pour la deuxième place dans un mouchoir de poche. Ah, ça s'est un peu écarté derrière. Logan qui s'est pris le piqué à l'intérieur. Et on a notre pilote de 52 temps aussi. Et Tristan Jude qui a chuté. Tristan Jude qui a chuté. Qui se retrouve maintenant à la troisième place. Kevin Ergl qui vient prendre la tête du team J3K Racing. Très compliqué pour ces pilotes quand même. Cette section de hoops, on va suivre un peu voir comment ça se passe. Oula, ouf. Fabio Guido qui a failli se mettre une corrective. Ça se met une corrective derrière pour Logan, ça se met aussi pour Marc Torres, ça se met par terre pour Etienne Bernard, ça passe, ouh ça touche. Ouf. J'ai vu décoller derrière. Ça a été tout juste, pas mal de chutes hein, dans ces lignes, Etienne Bernard Hugo, qui se retrouve à la 10ème place. Il y a encore moyen de remonter hein. Oui c'est que le début hein. 15 minutes, c'est 15 plus, minutes un tour. Plus un tour. C'est ça ouais. Donc à peu près 16-17 tours si vous voulez suivre au niveau du compteur. On est qu'au 3ème tour. Edouard Van Dendal hein. En 11ème place, hein. Le leader du championnat qui a fait un mauvais départ hein. Ouais, effectivement, il va falloir remonter. Beau passage à l'intérieur là après l'arrivée. Qui se fait attaquer par Jordi Prats. Non, Jacob Elguis, pardon. On va suivre un peu là pour cette troisième place, moi de mon côté. Parce qu'on a notre pilote de 52 temps qui est ici remonté à la troisième place. Et c'est pas mal compact derrière, donc on va suivre un peu comment ça va se dérouler. Bon groupe là on derrière. On a 4 pilotes, hein. On a Ray Digbird ici en jaune, donc avec sa 252 temps. On a Javier Ruiz, toujours en SXF, Fabio Guido, SXF, et Clayton, SXF aussi, beaucoup de SXF forcément. Oh, et Roy qui s'est loupé dans l'enchaînement, qui a perdu 2 places. Ah ouais, qui s'est retrouvé regardé derrière. On va suivre un peu, c'est compact, il y a moyen d'avoir des belles batailles à ce niveau-là. On voit un peu comment ces pilotes vont gérer ce virage, on va se mettre ici un peu. Oh, ça glisse pour Javier. Ouais. Ça ne saute pas pour Fabien. Oh, ça atterrit. Pas de chance. Roy qui a atterri sur Fabio. Dommage. Pas de chance pour sur Roy. Jérémy Postel du coup qui revient en contact. Jérémy Postel qui arrive à remonter. Il perd beaucoup de place. Etienne Bernard qui fait son petit trou. Qui revient tranquillement. 7ème. Mais ça se bataille toujours devant. Hein, pour cette 3ème place. Ouh ça chute pour Xavier. Ça part sur l'avant. Gros par l'avant. Ça préfère. Du coup ça profite à Clayton. Qui va le prendre son avance. Qui va le creuser le petit trou. Hein. Ça se creuse devant, ça se creuse devant. Ouh, Clayton qui part à la faute, comme je vous disais. C'est oups. Il va y avoir des surprises dans ces oups. Il peut être vraiment rapide. Et ça assure pas. Et du coup, ça perd bêtement 10 secondes. Alors que ça pourrait perdre juste une seconde autour et passer bien. A savoir que aussi, la déformation de la piste est à prendre en compte. Les oups se déforment pas mal. La piste est très molle. La terre est très molle à Houston cette année. Tristan qui chute dans le virage. Qui arrive pas à tourner, qui se prend les ballots. Pas mal d'erreurs, ces pilotes, hein, devant. Ouais. Kevin qui creuse les 40 têtes. Bah, du coup, Kevin, ça profite à Kevin, hein, forcément. Ouais. Les petites chutes à droite, à gauche. Ça profite à lui. Je sais pas s'il est à l'oreillette avec un membre de sa team qui pour lui indiquer qu'il a à peu près 13 secondes. À mon avis, son panoteur va lui indiquer au prochain tour. Ouais. Mais est-ce que là, il faut commencer à assurer. 13 secondes d'avance, on peut commencer à assurer. Attention à la peur. Attention à la peur. Oui. Attention au retardataire. Hein. Ouais. Les oups, on assure les oups. C'est pas grave si on perd une seconde. On est large, on assure. On ne part pas à la faute, c'est compliqué dans l'oops, c'est compliqué, mais on assure. Ouais. Tristan chute toujours deuxième. Ouais, malgré sa petite chute qui a réussi à rester deuxième. Etienne Bernard qui est revenu troisième. Grosse remontée d'Etienne Bernard, hein. Il était parti quoi, top 15, top 10, parti très très loin. Attention, ça attaque à l'intérieur.
Ça passe pour Etienne, le gros triple, voilà, ça part à l'erreur derrière. Beaucoup d'erreurs dans cette ligne droite là. Le premier triple n'est pas évident en 2,50, forcément, donc ça part à l'erreur. Ça veut prendre très vite le virage et ça part à l'erreur. Mais Etienne qui a l'air de beaucoup mieux gérer sa course. Ou bah voilà, on parle de lui. Et voilà, il chute juste devant l'arrivée dans cette section de move, pourtant pas très piégeuse. Il faut faire attention. Comme on disait, hein, les pilotes sont pas habitués à la déformation de piste, à l'érod comme on appelle dans le jargon. Et ils ont un peu de mal à gérer ça, cette déformation de piste qui est toute neuve de cette saison. Donc forcément, ça crée des pièges. Mais Kevin, hurgle, toujours avec des hurgle, avec des pseudos imprononçables, des noms imprononçables. peut tous être français. Du team J3K Racing qui va en profiter. Du coup, ouh, attention, ouh, ça passe le trip, c'était tendu, mais ça passe. Et qui profite, hein, qui creuse l'écart, toujours 12 secondes. Oh oui. Le top 3 qui commence à se construire, hein. On a derrière, on a Tristan Jude, du coup à 15 secondes de Kevin, Roy qui est à 12 secondes de Tristan, mais juste derrière il y a Clayton qui est juste derrière, attention à lui, attention à Clayton. Ouais, Clayton qui est très bien placé, hein. Lui qui a fait deuxième la semaine dernière, donc pour l'instant c'est lui qui a la première place virtuellement du championnat, avec le mauvais départ de Noah. C'est vrai, ouais. Où se trouve Noah, tiens, je cherche dans mon leaderboard, je ne le vois pas. Il est aux alentours du top 10, Noah, il est 11ème. Ah oui, Noah, il est 11ème, c'est ça. 11ème place pour Noah Van Dendal. Roy qui vient de partir à la faute. Bizarrement, dans le virage comme ça à plat, j'ai pas vu ce qui lui était arrivé. Il est parti tout seul à la faute sur le plat. Peut-être un souci d'accélérateur un peu fort et a glissé, je sais pas. Un trou sur la ligne droite, je sais pas. Tout peut arriver vraiment. Il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Forcément, on va voir un peu derrière comment ça se passe. Tristan, Clayton. Pour cette troisième place, à peu près cette mi-course. Hein. Ouais, nous sommes à 7 minutes de course. Ouais, donc 7 minutes du temps, à peu près mi-course du temps réglementaire. Hein. Ouais, à peu près. Et la déformation déjà qui est déjà assez importante hein. Dans les virages, on peut le voir. Ouais, ça risque d'être quelque chose pour les 450. Ils ont encore plus d'accélération, ça va encore plus arracher la terre. Ouais. Les bulldozers devraient faire un bon boulot entre les courses, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Ouais. Pour lui, ouais, on voit bien dans ces deux virages qui sont à moitié en sable mélangé à de la terre, très glissant. Que forcément les pilotes accélèrent beaucoup en sortie de virage, ça attaque beaucoup la piste. Donc ça emmène beaucoup de déformations et la piste qui a du mal. On voit Etienne qui remonte derrière, qui essaye de revenir avec sa tenue rouge. C'est compliqué pour Marc. Ah, Etienne qui va attaquer, est-ce que Etienne va attaquer? Non, Etienne n'attaque pas. On va regarder un peu ces deux pilotes, comment ça se passe. Donc ici on est actuellement pour la bataille pour la 6ème place. Très compact, hein, non, c'est entre 4ème et 8ème, ça reste très compact. Ouais. Tout peut jouer encore. Rien n'est joué. Ça choisit l'extérieur qui se déforme pas mal dans le sable. Etienne qui a choisi de prendre l'intérieur, de changer un peu ses traces. Ouais. Essayer de gagner un peu de temps. Réaction intelligente, on ne sait pas, on le saura à la fin de la course si ça joue. Parce que vu la déformation, c'est vrai que vu qu'on a une thermal pour cette course ce week-end, forcément, il faut savoir adapter ses traces. C'est la grande nouveauté, comme je disais, pour ces pilotes. Ouh là, c'était chaud pour Etienne. C'est cette déformation, réussir à gérer cette déformation. Avant, on avait tout le temps des pistes très dures, qui se déformaient très peu. Donc forcément, là, on se trouve avec des grosses ornières dans les virages, des grosses ornières dans les traces, des appels qui se creusent, on part plus facilement à l'erreur, forcément il faut changer les traces, éviter de trop mono trajectoire, commencer à pu faire des triples, pourquoi pas assurer avec des doubles, triples, et voilà, ça commence à se compliquer hein, pour ces pilotes, mais Etienne a l'air de bien s'en sortir quand même, de bien gérer les rods, c'est vrai que c'est un très bon pilote motocross, donc forcément pour lui ça doit moins le gêner en supercross, il doit retrouver un peu plus dans son domaine. Et en tête, c'est Kevin Erg qui a perdu du temps. Ah ouais, 2 secondes 5, effectivement. Il a dû faire quelques erreurs, ouais. On va aller voir. On a vu Tristan qui a dû revenir à cause des retardataires. Hein. Ouais. Kevin qui est en plein retardataire. Donc assez compliqué, hein, ces dépassements. Ouais, réussir à bien gérer les dépassements. C'est vrai que ça chute un peu partout. C'est pas un petit jeu là. Attention à la chute. Ça passe pour Kevin au-dessus. C'est vrai que là, il arrive en plein dans les lappeurs. Donc forcément, ça devient compliqué pour lui. Mais bon, il gère plutôt bien. On entre dans le 10ème tour. Ouais. 9 minutes de course. Et Kevin toujours en tête. Mais attention, les lappeurs qui scrubent plus que lui à côté. Ouais. Comme si le lappeur allait vouloir le doubler. Ce qui est assez étonnant. Il est en train de mettre un tour à Noah hein, en plus. Hein. Noah qui est leader du championnat qui se fait prendre un tour, ça va être dur pour lui hein, mentalement. Ouais, mentalement et mathématiquement aussi. Il va perdre pas mal de points. Ça saute n'importe comment. Ça gêne un peu. Kevin qui se bloque. Ah non, ça va, il a réussi à pas se bloquer. Ouais. Bien repartir. Attention à l'arrière, ça va, il a pas perdu trop de temps. Ouh, qui part à la faute tout seul. Ouais. Axe droite-gauche dans les step-on, forcément, ça passe moins bien. Tristan, est-ce que Tristan va réussir à revenir? Tristan, oui, Tristan qui passe.
Du coup, qui va prendre la tête de cette course? C'est donc qui prend la tête. Attention, on est où? Oula, gros, je suis derrière dans le virage. Hein. Ça passe. Kiminer qui est retombé. Hein. Ah ouais, et du coup, Clayton qui va prendre la deuxième place. C'est tendu, c'est oups. Hein. Ouais. Les pilotes ont beaucoup de mal dans ces oups. Attention, ça passe pour le lapper. Du coup, Kevin Nurgle qui a retrouvé maintenant ma troisième, du coup. Qui avait pas mal d'avance pour lui, mais voilà. Comme quoi, les allées de la course, tant que le drapeau Adami n'est pas passé, la course n'est pas finie. Oh. On va suivre un peu Tristan. On va voir un peu comment ça se passe derrière, aux avant-postes, voir vers le top 10. Kevin Nurgle. Javier Ruiz, juste derrière. On a Roy ici, qui avec un lapper entre les deux. On va suivre un peu Roy, tiens, ce pilote de 52 temps. Par contre, ça se dit, ouf, il est chaud. Ouais. Du coup, Etienne qui est revenu toujours derrière, toujours aux alentours de la 6ème place. Etienne qui a du mal à trouver ses marques dans cette finale. Ouais. Bah, comme je disais, hein, c'est sa première fois sur les, avec la déformation de la piste. Cette nouvelle terre, faut s'y adapter. Hein. Ouf. Roy qui part à la faute et Etienne qui lui rentre dedans, ça va pas de chute pour les deux, rien de pas très grave. Mais ça perd un peu de temps forcément, ça perd du temps à droite, à gauche. Ouais. Donc forcément on perd du temps. Et Fabio Guido qui revient derrière. Et oui. Lui aussi qui est bien passé au championnat, hein. Fabio qui avait fait 4ème. Qui vient se mêler à ce championnat forcément. Mmh. À cette petite bataille entre ces deux pilotes. On va voir qui va gérer le mieux l'oops entre ces trois pilotes. Roy qui passe très bien, Etienne qui passe très bien. Ouh, Fabio qui ne passe pas. Ouais. À la fois du coup qui repère ce petit temps. Ouh, Etienne s'est tendu pour Etienne ou ça touche. Oh. Ouf. Il est pas tombé. Il a eu de la chance. C'est Roy qui chute et non pas Etienne. Fabio Guido du coup va pouvoir remonter sur Roy. Et ouh, c'est ouf ça. C'était limite. Ça écrase un peu les distances ici avec cette caméra. Donc forcément, on se rend moins bien compte. Oh, et chute de Tristan en tête. Chute de Tristan en tête et ça permet à Clayton Cocker de partir en tête. Ouais. Du no team. Tristan qui a été gêné par les retardataires malheureusement, hein. fallait s'en douter. Et du coup Clayton qui passe en tête. Kevin Eagle qui a encore perdu une place, qui s'est retrouvé à la 4ème place. Kevin Eagle qui a du mal à s'y faire, à trouver ses nouvelles traces, trouver des nouvelles passages rapides avec cette déformation. Il a du mal avec les rods. Hein. Ouais. Il était bien parti hein, au début de manche et là il s'affaiblit un peu hein, au fil des tours. Merci à Zeiko qui vient de rejoindre la famille. Merci à toi, welcome. Ah, c'est compliqué, hein, pas mal de changements. Tristan Jude qui vient de reprendre la tête. Ouais, Clayton qui glisse dans ce virage. Avec grosse ornière dans ce virage. On voit même sur le plat, ça commence à se déformer, ça commence à se creuser. Il faut adapter. Oh, ça touche. Ouh, c'était tout juste. C'était tendu, hein. C'était chaud, mais ça passe. Ouais, vraiment piste très très molle. On s'attendait pas à une terre aussi molle. Cette course, je sais qu'à Nightmare, on avait une terre molle aussi. Mais j'ai l'impression qu'elle était quand même moins molle que ça. Là, elle a l'air très molle, ça a l'air de beaucoup se déformer quand même dans les. Même sur le plat, dans les appels, un peu partout. Clayton qui continue de tenter les triples. Ça gère les lappeurs. Ouah, c'est limite. Et le panoteur de Noah Van Dedel qui me fait des grands signes. Ça va pas très bien pour le leader du championnat hein, qui est en 15ème position. Ah, effectivement, ouais. Ça sent la course oubliée quand même. Hein. Il va quand même marquer quelques points hein, tout de même, hein, mais ça sent la course oubliée quand même. À mon avis, il va perdre la plaque rouge hein, sur ce round. Après, on est qu'à 2 rounds. Hein. On a 17 rounds pour ces pilotes de 50. Il n'y a pas de côte est, côte ouest pour les pilotes amateurs. Donc forcément, ça va être long pour eux. Ça va être une très très longue saison. Il va falloir tenir sur la longueur. Donc un round, ce n'est rien. C'est rien. Ça se gère. Il va falloir se rattraper et être régulier tout au long de la saison. Pas trop se remettre en question, pas trop douter et continuer de rouler comme il sait faire. Mais c'est bien, ça apporte de la bataille pour le prochain round. C'est ça. En tout cas, Tristan Jude qui maîtrise pas mal son sujet, là, qui tourne en une minute à peu près, 59-8 son meilleur, une 1 pour son dernier tour. Mais ça maîtrise pas mal son sujet, ça maîtrise. Et Kevin Earl qui continue à faire des erreurs, hein, et il perd des places. Ouais. Il se fait doubler à l'instant par Fabio Guido. Oh là et Etienne qui vient de le dépasser aussi. Oh là là. Clayton qui a du mal dans cette ligne. Ouh, ça part aussi, ça a du mal à gérer. C'est toujours pas joué pour Javier Ruiz hein, en 3ème place. Hein. Toujours au contact avec Fabien Glido et Etienne juste derrière lui. 4 petites secondes entre ce Fabien et Fabio, forcément. Il va falloir s'accrocher, réussir à trouver ses belles traces. En tout cas pour Javier, ça a l'air de aller. On le voit qu'il rentre un peu moins énergiquement dans les virages. Il assure plus. Il essaye de plus gérer, varier plus ses traces.
Ouh, grosse chute. Ah, Javier qui s'emmène dans les lappeurs, forcément. Ça profite à Étienne. Étienne qui revient. Qui glisse un peu, qui a du mal un peu à passer dans ses ballots. Ouais. Et Fabio qui est passé du coup. Ouais. Mais voilà, on va suivre un peu Étienne pour ce tour quand même, parce que c'est vrai qu'il a fait une grosse remontée. Il a du mal à revenir, mais il reste quand même au contact de ce top 3. Ça reste jouable. Une seconde de Fabio à peine. Il est juste devant lui, hein. Et de toute façon, il est juste ici. Bon, on a un peu de mal à les reconnaître, mais il est juste devant lui. Forcément, vu qu'ils sont tous pareils. Et voilà, Étienne Bernard ici, de la team MT Factory, qui arrive à pas mal à un peu mieux à gérer ses trajets, j'ai l'impression, sur sa Yamaha. Les trous de freinage, hein, qui sont très importants là, on voit, à l'entrée du sable. Ouais, pareil là, la réaccélération, il y a pas mal de trous avec les petites bosselettes. Ouais. Dans la ligne droite, c'est bosselé un peu partout, faut réussir à gérer, pas prendre de risques, pas s'affoler, il y a des lapeurs, faut faire attention, faut gérer. Ça se gère maintenant, on est à 15 minutes, on va arriver sur le dernier tour, à mon avis, on va regarder un peu. Bah on est dans le dernier tour. Voilà, Tristan Jude qui vient d'entrer dans le dernier tour, on va regarder un peu, on va le suivre, voir s'il va réussir à remporter, mais normalement, s'il assure, pour lui, ça devrait le faire, hein, 12 secondes d'avance sur Clayton. Maintenant, faut assurer, faut pas chercher à l'erreur. Ouais, on sait jamais, hein. Tant qu'il a pas passé le drapeau d'arrivée, hein. Ça reste encore jouable, mais bon. Prier pour pas qu'il y ait de la peur, ouais. Qui chute devant lui, dans un trou, caché dans un trou. Ça peut arriver vite, hein. Comme on disait, sur ce jeu, c'est 10 secondes la chute, donc forcément. Quand t'as 10 secondes d'avance, bah c'est tendu. Clayton qui rentre tout juste dans la ligne droite et Clayton. Il tente les gros enchaînements, il tente le tout pour le tout. Ouais, il se dit on sait jamais. S'il chute, attention passage des hoops, très piégeux et ça passe pour Tristan. Ça passe tout doucement, mais ça passe. C'est le principal. De toute façon, maintenant il faut assurer. Hein. Quand il y en a des trucs comme ça, dernière ligne droite, on fait que des doubles, on assure. On tente pas le fou là. C'est quand même tendu. Mais ça passe pour Tristan, voilà, ça devrait passer, ouais. Dernier virage. The last corner et congratulations for Tristan Jude qui revient sur Roy. Roy qui est arrivé 8ème Roy qui est parti très loin. Et je t'invite à regarder la bagarre pour la 3ème place, ouais, entre Fabio Guido et Étienne Bernard. Ah ouais, effectivement, dans le loop, c'est toujours le passage entre ces deux pilotes. Dans le loop, ça passe pour ces deux, un peu moins bien pour Étienne, mais est-ce que Étienne va nous faire son fameux triple? Oh oui. Qui passe le trip, ça passe pour Étienne. Oh, attention, grosse bataille entre ces pilotes. Aïe. Ah, Étienne qui a chuté, dommage, il a tenté le tout pour le tout. Ça va profiter à Fabien Guido qui va compléter ce podium. Donc on a Tristan, Jude, Clayton, Coker et Fabio Guido pour compléter ce podium. Du coup, Javier Ruiz qui va profiter de la chute de Étienne pour faire 5ème. Ouais. Et Étienne qui va finir 5ème. Top 5 pour Étienne. À peu près à sa place qu'il y avait tout le long de la course. Ouais. Ça reste une place méritée. De toute façon, Kevin Herg, 6ème. Oh là là, qui chute encore. Oh. Ouais. Et du coup, bah, Marc va aller prendre la 6ème place. Ouais. Ouais, les trous de freinage sont violents là quand même. On voit un peu. C'est très très violent. J'imagine pas ce que ça va être pour les 4,50. Ouais, sachant qu'ils ont 5 minutes de plus. Ouais. Exactement, Mortimer. Nicolas, c'est celui qui a fait le Nicolas Sandbox. Ouais, les fameux terrains. Et Kevin qui va terminer 8ème. Oh là là. Ouais, 8ème. Hein. Alors qu'il était très bien parti au début. Hein. Oh, il était en tête. Hein. Il y a encore besoin d'entraînement avec la déformation. C'est vrai que c'est tout nouveau, comme on disait. Oui. Il va falloir les gérer. Les pilotes ont du mal à s'adapter. Hein. Ouais. Mais bon, ça va se faire au fur et à mesure de la saison. Ouais, voilà, hein. C'est la première saison, c'est la saison de test. C'est nouveau pour tous les pilotes. Ça ira mieux la saison prochaine pour certains. Certains viennent de passer dans cette catégorie-là, d'autres vont sans doute passer en catégorie pro. Voilà, faut s'ajuster, c'est les aléas. Mais c'est bien pour le jeu, c'est bien pour l'e-sport, c'est bien pour MX Simulator qui a cette nouveauté, ça apporte du nouveau. Et justement, ça apporte ce côté piquant qu'on avait pu sur la fin des courses, parce que tous les pilotes, une fois qu'on était devant, c'était hyper régulier, alors que là, il faut commencer à s'adapter. Et du coup, en catégorie de 50, c'est Clayton Coker qui prend la plaque rouge. Il aura la plaque rouge au round 3 à Anaheim 2. Donc, ça sera le pilote à suivre la semaine prochaine. Et attention, on passe sous cette catégorie 4,50 avec un mélange entre semi-pro et amateur. On va voir un peu comment ça va se jouer. On a deux pilotes à suivre, Gauthier Dupois et Tom Guillon, qui participent à cette course respectivement de MT Factory et du VRT. 3 Ice. On va voir un peu comment ça va se passer. On va attendre un peu le lancement de cette warm-up pour vérifier que tout le monde est bien derrière la grille. Et on pourra enchaîner directement avec la course 450.
Et des pilotes à surveiller, hein. Comme Théo Bultel, qui est passé par le repêchage. Exactement. Voir si ça l'a pas trop impacté physiquement et mentalement. D'un côté, il a une course en plus pour s'entraîner sur les rails, même si en 4 tours ça se déforme pas beaucoup, mais il a quand même un peu de course. Ouais. Merci Mathias, ça fait super plaisir, merci à toi. N'hésite pas à partager. Le plus important, ça va être de prendre, un bon départ. Hein. Ouais. Le bon départ est très important. On a vu un très. Ouh, Tom qui prend un très bon départ. Hein. Dommage que c'est un warm-up. Oui. J'allais dire. Monsieur a sorti la ceinture pour son pouls, donc forcément il va pouvoir suivre et gérer sa course. Gérer sa fatigue sur toute la course. En ce moment, qui donc pas lors du vrai départ au prochain restart. Mmh. Ce serait dommage. Mais comme on dit, allez. Un bon warm-up, mauvaise course. Donc. Fameux dicton. Fameux dicton vu et revu et confirmé et confirmé. Et donc, On sait pas, ouais. Ça dépend. On va se mettre sur lui, tiens, pour le départ. Qu'il a réussi à nous faire un bon départ. Moi, je vais me mettre sur Théo Bultel. Hein. Si je trouve. Et tout intérieur en plus, il a réussi à tirer Let's la une. Let's go. 20 minutes plus un tour, finale 4-50 amateur. Mmh. C'est parti. Are you ready? And get drop! Let's go! Gros départ. Tom Guillon qui reprend l'intérieur. Non, qui n'a pas réussi à assurer, qui va assurer l'intérieur. Voilà. Pas beaucoup de chutes, étonnamment, dans ce premier virage. Ouais. Ça va être le bazar dans la chute dans la ligne droite d'après, à mon avis. Ah! Wow! Frolich. Qui vient de. New Frolich, ouais. Ouais. Qui. T'as pris la tête, qui avait remporté son hit tout à l'heure. Ouais. Mats Wagen juste derrière. Et Gauthier Dubois, troisième. Très très gros départ pour Gauthier. Va voir assurer, mais je sais. Du coup, voilà, comme je disais, il a du mal dans le loops. Il sait pas à quelle vitesse les prendre. Il a pas réussi à se caler dans les entraînements, dans les qualifs. Trouver une bonne vitesse pour être aigu dans ses loops, il a du mal. Il a du mal à les gérer. Et c'est sans doute beaucoup plus compliqué avec ces pilotes 450. La déformation va être plus compliquée. Les rods vont plus vite se marquer. Ils ont plus longtemps. Les loops vont plus vite se défoncer. Donc ça va être compliqué pour ces pilotes. Il va falloir savoir très beaucoup s'adapter. Allez, Youf Rolich qui est parti en tête, t'as bouclé, la fin de ce premier tour. Joy. Le pilote à surveiller. Hein. Joy. Il a fini deuxième Anaheim 1, donc attention à lui. Joy Vessel en seconde position. Ouais, et juste derrière avec Anthony Castellano pour le team Noni qui vient se frotter un peu à ce pilote. Ça ne tente pas le triple en début. Ouh, c'est très proche et ça part à la faute pour Tony. Aucun des deux ne chute. C'est une petite glissade, mais ça perd quand même un peu de temps. Hein. Des secondes précieuses au début, parce que c'est des secondes où on peut creuser l'écart et être un peu plus tranquille pour la suite de la course. Avoir un peu moins de pression. Ça profite à Niklas Blum. Niklas qui a pris la troisième position. Ouais, qui est passé par LCQ lui aussi. LCQ, donc forcément. Oui, aussi. C'est beau et de le voir ici. Niklas qui passe en tête. Frolich qui a fait une erreur. Et oui, ouais, effectivement, forcément, les enchaînements qui passent beaucoup plus gros que les 450. Oh, ça tente les quadruples pour Frolich qui va reprendre la tête grâce à cet gros enchaînement. Beaucoup de prise de risque pour sa part, mais ça paye. Et oui, il a raison, de toute façon, les gros changements, faut les faire maintenant. Après, avec la formation, ça ne passera plus. Ouh, petite erreur de sa part, Nicolas. Nicolas qui repasse. Nicolas qui repasse, on va suivre. Oh, ça scrub, hein, son trip. Ça scrub beau. Un peu trop, même. Ouais. Pour Nicolas, c'était tendu. On va suivre un peu ce duo. Ouh, ça touche les ballots, mais ça passe quand même. Attention, on ne peut pas être trop rapide dans ces virages. On est très proche des ballons, on peut vite partir à l'erreur. Frolich qui tente ici que le double. Pareil pour Nicolas. Ça assure dans cette ligne droite-là, c'est vrai qu'elle peut vite partir à l'erreur. Forcément. Et duel hein, en troisième position entre Mats Wagenwurt et Luca Cavallero. Ouais, il y a des bonnes batailles au début. Hein. C'est parti, c'est très très compact. Il n'y a pas eu beaucoup de chutes au début. Forcément, c'est très compact. Dans ce troisième tour, je suis un peu derrière comment ça se passait. Pour Mats Wagenwurt. Frolich qui. Ouh, Frolich qui s'est un peu raté. Mais ça passe. Il est sauté un peu en travers là. Ça assure. Et c'est serré hein, quand même pour les premières places. Hein. Ouais, c'est beau à voir, c'est beau, ça fait de la belle bataille. Oh, Nicolas qui s'est un peu raté lui. Qui du coup, il repère un peu son avance, il avait un peu creusé. Ces pilotes 450 qui ont du mal à prendre la double arrivée, j'ai l'impression. Ils ont du mal à se caler dessus, à être une bonne longueur, à être bien propre. Ouh, ça touche dans les ballots pour Nicolas. Ouais. Frolich qui met la pression du coup. Ouais, intérieur, extérieur, deux choix de trajectoire défense. Ça se recoupe se dans le saut. C'était beau. Ça prend les mêmes traces. Ouh, juste derrière Mats qui fait les triples, lui, du coup, qui revient très fort. Ouh, petite glissade. Ça perd l'avant. Ça permet à Luca Cavallero de prendre cette troisième place. Mais ouais, grosse bataille dans cette début de course. Désolé si on va pas trop derrière, mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On a beaucoup de choses à voir. Et forcément, la tête de course est le plus intéressant. Hein, c'est où ça marque le plus de points. Ah, Luca qui prend la deuxième place. Nicolas qui a fait une petite erreur à la fin des whoops. Ouais.
Ouh, le par l'avant pour Luca Cavallero. Ouais, derrière. Hein. C'est Christian Mbazo qui est rentré dedans. Et du coup, Niklas Blum, second. Troisième, Mats Wagenwurt. Et Christian Mbazo, quatrième. Ouais. Jofrolic qui part en tête. Commence à creuser un peu l'avance. Ouais. En même temps qu'il creuse le track, il creuse son avance. Ouais. Qui commet pas trop d'erreurs, ça va. Je l'ai su patienter. Hein. Je cherchais le pilote du team VRT dans le classement. 19ème Tom Guillon alors qu'il a gagné le hit. Très très loin. Il va falloir surprendre. Hein. C'est pas joué. C'est très compact. Hein. Je regarde un peu les écarts. Il y a jamais plus de 5 secondes d'écart entre tous les six pilotes. C'est ouais. Ultra compact. Ça roule très serré. Ça roule serein. Ça roule vite. C'est beau à voir. Et Théo Bultel hein, aussi. Le premier du championnat. La plaque rouge qui est actuellement en 13ème position. Ouais. Décidément, c'est après, pas bon d'avoir pas. La plaque rouge sur ouais. Round 12, non. C'est ça. Ou Niklas qui repart la faute sur le côté, mais ça va, il perd pas trop de temps. Bah, Mats qui, voilà, qui se met une corrective, lui, c'est, par contre, il peut s'y rattraper. Bah, ça permet à Lucas, du coup, de revenir quatrième. Et on a un pilote qu'on n'a pas parlé, qui se fait discret, mais c'est Christian Basso, qui a pris la troisième place. Ouais. On n'a pas encore parlé dans cette course, du team Meta. Qui revient d'assez loin, qui fait son trou et qui prend la troisième place, comme ça, ni vu ni connu. Ouais. Comme quoi, attention, hein, ça peut revenir de loin. Attention. Il pose pas trop, mais ouais. Il monte sa tête. Hein. Le sable qui commence à bien se creuser, attention, ça passe les triples. C'est beau à voir, c'est beau, c'est technique. Le petit wheeling avant pour pouvoir enchaîner derrière. C'est beau. Ça passe pour lui, les Stepan Steve, pas de soucis. En 4,50, ça passe tout seul. Attention à ce virage qui se creuse beaucoup, sans doute l'un des virages qui se creuse le plus. Parce qu'on arrive très vite dessus. Ouh, les oups, ça passe. Ouh, très bon réglage de moto. Pour Christian, en tout cas. Je le suis un peu, on va voir un peu en combien de temps ça roule. 58,4 pour Christian. Devant, ça roule en 59,3 pour Niklas. Ça roule pas très très vite dans cette finale quand même. On voit que les pilotes assurent. Parce que sachant que les meilleurs sont en 55 secondes, donc forcément. Ça roule pas super vite. Oh, voilà. Friedrich qui s'est fait gêner par Tom. Qui n'a pas sauté le trip, donc forcément ça a été compliqué pour Frelich. On va faire un petit tour dans notre caméra embarquée sur Frelich. Voir un peu comment ça gère. Surtout avec la déformation. Ouais. La différence va se faire dans les derniers tours, hein, de toute façon. Je vous laisse surtout vous rendre compte un peu. Vous allez voir un peu la déformation maintenant. On fera un tour en caméra embarquée sur la fin. Pour que vous voyez un peu la différence entre eux. Retenez bien la déformation, regardez bien les ornières dans les virages. Comme je disais, le virage là-bas qui commence à bien se marquer. On voit bien l'ombrage à ce niveau-là, là, voilà. Frelich qui prend bien l'appui tout le long, du coup ça crée des appuis dans les virages, ça permet de prendre des virages plus rapidement. Donc il se déforme. Oh, Frelich qui part à la faute. Première faute pour lui dans ses oops. Comme quoi même les meilleurs n'arrivent pas à bien passer ses oops, ils ont du mal. Et regarde qui c'est qui prend la tête. Bah Niklas. C'est Christian Mbazo. Ah non, Christian. Non, ah oui, exact, oui, j'ai raté. Bah Christian, voilà. Comme on disait, on parlait pas de lui, on l'a pas vu au tout début. Et du coup, on va se faire un tour avec lui, on va se refaire un petit tour en vue première personne pour lui, pour que vous puissiez admirer le track. Le travail des bulldozers et des builders pour cette piste de Houston. Forcément avec quelques petites différences par rapport à la course en vrai IRL, mais c'est normal. Les deux courses sont faites en même temps, il y a des adaptations sur les deux pistes pour rentrer dans le stade, donc forcément il y a des petites modifications. Le petit wheeling pour passer le trip, voilà, très technique ce passage. Parfait. Sans souci pour Christian. Ce virage là qui ne se déforme pas trop pour le moment. Et là, attention, on arrive dans la partie qui est très déformée. Même là, on voit les appels qui commencent à se creuser ici, les gros trous de freinage. La grosse ornière qui passe pour Christian Basso. Voilà, Christian qui choisit de prendre les hoops en première vitesse. Donc forcément, c'est moins rapide, mais ça assure. Au moins, il est sûr à tous les tours de bien le prendre. Ouh, qui se met un petit cours, Christian. Il s'est fait un peu gêner, à mon avis. Il a vu le lapper. Du coup, il s'est dit, tiens, je vais assurer un peu. Je vais essayer de faire un autre passage. Il a pas réussi à accélérer assez fort. Et bon. Il est assez d'avance, Frelich n'arrivera pas à remonter dessus pour le moment. Qui tente quand même le quadruple. Ouais, ça passe. On a 8 minutes de course et qui continue de tenter. Ça reste assez rapide à mon avis pour lui. Et Niklas Blum qui le garde en ligne de mire. Hein. Il laisse pas partir Frelich. Voilà, ça s'est resserré. Hein. Les trois pilotes sont juste les uns derrière l'autre. On a un lapper devant. Va falloir pour Christian bien gérer. Frelich qui a été tout droit dans le virage après l'arrivée. Ouais. Et du coup qui repart troisième. Et Lucas qui aussi. C'est très serré. Hein. Ouais. Très très serré. Pour... Il n'y a rien à jouer. Actuellement on a. 5 pilotes, en 5 secondes. Ouais. 400 pilotes en 5 secondes, c'est... rien n'est joué. Ça va vraiment être une belle course, ce deuxième monde. Ah, Niklas qui tombe. Ah non, c'est pas Niklas, c'est des. J'ai cru avec leur CRF, mais non. Mais on est même pas encore à la moitié de la manche en plus. Hein.
Et oui, seulement à presque 9 minutes. Donc 9 minutes, il nous reste un peu plus de 10 minutes plus un tour. Ah, Nicolas qui a du mal avec l'ornière, on a l'impression là, il monte très haut dedans. Il a un peu de mal. Hein. Qui se déforme un peu. Va-t-il tenter le triple? La CRF qui a un peu plus de vitesse max, mais un peu moins d'accès à reprise. Donc forcément, dans ce enchaînement, ça peut moins bien se jouer. Attention. Ouh là là, Lucas Cavallero qui est tombé dans l'enchaînement. Lucas, je me disais, attention à l'enchaînement. Je sais pas si c'est un lapeur, un retardataire ou un dans le top, mais ça passe. On va se mettre un peu là sur Freilich qui glisse. Ouh là, qui a voulu essayer de reprendre l'intérieur et qui a glissé. Ça va faire un gros trou dans ce virage, à mon avis. C'est très piégeux, hein, ce virage après l'arrivée. Et, du coup, et la partie sable aussi, hein, qui commence à vraiment se déformer. Bon, on voit à l'intérieur là, les pilotes commencent à se rattraper sur l'extérieur. Aller chercher plutôt l'extérieur plutôt que l'intérieur pour éviter tous ces trous de freinage à l'intérieur. Sauf qu'il y avait déjà le sable n'était pas lisse dès le début, donc déjà dès le début on saute dedans. Donc forcément ça creuse aux réceptions. Attention à ce virage, ça passe pour Freilich sans souci. Freilich qui gère plutôt pas mal les rods, hein. La déformation, on le voit, qui se prend bien appui dans les virages. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entraînement de son côté. Il a dû se faire un petit campan pour vraiment s'entraîner. Comme je disais, hein, comme on disait dans la course de 50, c'est la grosse nouveauté de cette saison. Cette déformation dynamique des pistes sur une terre très très molle, surtout pour Houston là. On voit ici des grosses déformations, on a à peine à mi-course. On a déjà des grosses ornières un peu comme un MX, comme on pourrait retrouver sur un outdoor. Donc forcément, ça change. Va falloir s'adapter, changer les traces. On essaie de trouver de nouvelles traces. En tout cas, Freilich qui remonte à chaque fois sur Nicolas, qui est un peu plus à l'aise sur ce passage d'ornière. Belle bagarre là. Freilich qui choisit de prendre l'extérieur. Ici, premier extérieur qui est très déformé, hein, c'est pour ça qu'à mon avis, Nicolas choisit de prendre l'intérieur maintenant. Ouais, Freilich semble un peu plus rapide. Et ouais, Freilich qui passe les plus gros enchaînements, donc forcément, voilà, ouais. Ça passe pour Freilich qui vient en chercher de deuxième place. On a toujours notre petit Christian qui est devant là, Christian Basso du team Meta. Qui est vraiment à l'aise. Bien sûr, ouais. No stress pour lui, 8 secondes d'avance, ça déroule. On va le voir un peu comment ça se passe au niveau du 8ème, 9ème place d'ailleurs, parce qu'on regarde beaucoup les premières places. C'est vrai qu'on a quand même 22 pilotes sur cette course, donc forcément on va voir un peu comment ça se passe derrière. Théo Bultel qui est remonté, Théo 4ème, grosse remontée de Théo. Ouais. On va le suivre un peu parce qu'à mon avis ça roule vite ici. Ouais, 56. Ça roule très très vite pour Théo. Il veut garder ses points, on disait qu'il allait peut-être perdre la plaque au coup rouge, mais finalement... Il va peut-être réussir à la garder. Ouais. J'ai pas le classement en tête, donc je pourrais pas vous dire de tête. En tout cas, il est en train de tout faire pour la garder. Hein. Mais ouais, il revient de loin. Après le CQ, bah voilà. Petite chute pour lui, monter un peu dans le virage. La poisse de la caméra, à mon avis, il a dû sentir que tout le monde l'a regardé. Lucas Cavallero. Ah là, 5ème place. 6ème, Mac Wagban War. Toujours les mêmes, hein, ça change pas trop dans ce top 6, top 7. Eric Hilton, 7ème. Gauthier Dubois du team MT Factory, 8ème. Non, 9ème, excusez-moi. 9ème. 10ème, on a Diego Guevara du team Arial Racing Team. Oh, qui chute. Pas mal de gens qui ont du mal à prendre ce virage. Johan, ouais, au niveau de l'ornière, la roue qui passe par-dessus. Ouais. Clever School, ici sur sa CRF. Diego Guevara qui, voilà, qui se rate un peu, qui est obligé de prendre se resserrer un peu sur les extérieurs. Soir Jengler. Après, c'est très loin. Mad Woz qui avait réussi à passer le LCQ, mais qui a du mal à assurer dans cette finale. Qui a du mal à se mettre dedans. Mikael Jenny. Forcément, ça se déforme beaucoup plus qu'en LCQ. Hein. C'est presque 4 fois plus long qu'un LCQ, donc forcément, ça bouge. Corentin Mabru ici. Thomas Joss du Concept Graph. Oscar Magnas. Tom Guillon qui est très loin. Tom Guillon qui est 19ème, qui rechute dans... Décidément, il n'y arrive pas, c'est oups. Ouais. Très compliqué pour beaucoup de pilotes, ce passage. En tout cas, pour le moment, ça passe pour Christian. Hein. Christian qui est très droit dans l'oups, qui passe sans souci. Il y a moto qui ne flanche pas. Moto qui réglait parfaitement. Peut-être, justement, à mon avis, c'est peut-être des petits réglages qu'il a fait pour la déformation. Et chute de Nicolas Bloom derrière en seconde position. Ah ouais. Et de Youf Rolich également. Et c'est qui passe? C'est Théo Bultel. 3ème place pour Théo Bultel. Qui remonte, hein. Et comme je disais, petit à petit. Comme je disais, à mon avis, Christian qui a dû se régler sa moto pour la déformation. Et du coup, vu que la piste est très lisse au début, il devait être pas mal glissé, à mon avis. Ça doit être pour ça qu'il devait être assez loin. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et du coup, maintenant, vu que la piste est pas mal déformée, son setup s'adapte plus à la piste. Il a plus à s'y retrouver. Il a plus ses marques sa moto. Donc, forcément, il est plus rapide.
Et ça joue, hein. Forcément, si on est rapide sur piste lisse, bah vu que la piste est déformée au bout de 5 tours, bah forcément, si on est rapide, plus rapide piste déformée, bah on est beaucoup plus rapide sur toute la course. Et ouais, Théo Bultel qui est revenu 3ème, qui revient de très loin. Second Théo Bultel maintenant. Ah, second. Second, ah, suite à une erreur de Niklas Blum. Il était quoi? Il était 13ème à mi-course à peu près. Oh bah oui, il est parti très très loin. On va le suivre un peu. Il reste 6 minutes de course là. On va se mettre un peu en vue première personne sur lui. En caméra embarquée. Merci à la régie pour toute cette technologie sur chaque pilote. Magnifique. Gros dispositif. Passage de Hoops qui passe sans souci pour voilà, Théo, fond de première. Ça a l'air d'être la bonne solution maintenant, un fond de première, c'est Hoops. En 4,50. Voilà, les trips qui passent sans trop de soucis. Ouh, un peu court quand même. Faire attention à Théo. Pas mal accéléré en sortie de virage. Là, les gros trous de freinage, on voit que ça tape, hein. Les suspensions qui font leur effet. Ouais, Théo. 16 secondes de retard hein, sur Christian Bazot. Ouais. On va voir comment ça va évoluer, hein. Mais tout est encore possible, hein. 16 secondes, c'est pas énorme. Ouais, une chute et demie à peu près. Un lapeur, ils arrivent dans le moment où ils ont tous les lapeurs à doubler. Ça peut aller très très vite. Voilà, Théo qui choisit de prendre l'intérieur ici. De plus toucher l'extérieur à cause de la déformation. Ça choisit. Ouais, ça inverse les. En général, les pilotes rapides faisaient extérieur-intérieur et là ils font l'inverse. Intérieur-extérieur. Justement, bah ils changent les traces. Attention à la peur qui a chuté à l'intérieur. C'est bon, ça passe. C'était pas sans souci pour lui. Attention. Tom Guillon juste devant lui. Passage Hoops toujours en première. Sans souci pour ce pilote. Voilà, nickel, impeccable. Moto qui bouge pas, qui flanche pas dans ses Hoops. C'est impeccable. C'est moins rapide comme on disait, mais forcément, bah, c'est toujours plus rapide qu'une chute. Donc autant assurer. Petit piqué de l'avant, mais ça passe. Petite frayeur un peu. Mais ça enchaîne, hein. 1-1, on va voir combien de temps il tourne ici. 1 minute 0. Et on a bah, voilà, Christian qui ont fait quasiment le même temps. Il a dû gagner 2 dixièmes. C'est pas énorme. Mais ça roule. Ouais, c'est pas énorme, les pilotes qui roulent assez propre. Ouais, assez régulier, à peu près dans le même temps, environ 1 minute. À ce stade de déformation, c'est déjà pas mal, hein. Tournant 1 minute. Non, parce qu'on est rentré dans les 5 dernières minutes de course. Et bataille pour la 3ème position. Oh, Matt chute. Ouais. Du coup, Matt qui chute et il n'espère pas à Niklas. Et quelqu'un qui a disparu du classement, c'est Frolich, hein, qui a perdu des places. Ah, il est très loin, 6ème. Ouais. Ouais. Comme on disait, c'est bien la première impression qu'on a vue, qu'il a du mal à gérer la déformation, il a du mal. Pourtant, on l'avait vu dans certaines ornières, prendre très vite dans certaines ornières. Mais là, ça commence vraiment à se rapprocher d'un MX. À mon avis, c'est un pilote vraiment type SX. T'as vraiment du mal. Ah, Niklas qui a sûrement bien aussi, hein. Moins bon préparation moto pour ses Hoops. En tout cas, le trip qui passe toujours, ça par contre. Ouais. Passe toujours très bien dans cette ligne droite-là. Ah, qui finit par quadruple. Ah, les grosses ornières. Hein. Ouais, on voit Niklas qui est pas à l'aise avec cette déformation, qui évite vraiment les grosses ornières. Il prend beaucoup plus serré dans les virages, il va rechercher vraiment les intérieurs pour essayer de trouver de nouvelles traces. Mais ça peut faire la différence, ça peut faire la différence. C'est quand même déjà un bon résultat hein, pour une personne qui passait par le LCQ, ouais. Faut le rappeler. Mais ça roule fort dans cette catégorie amateur. Hein. Amateur semi-pro, là, ça roule très très fort. Ouais. Toujours 15 secondes d'avance hein, pour Christian Bazot en tête. Ouais, ça. Théo qui recolle, mais je sais pas s'il va avoir le temps de remonter. Hein. Il reste encore 2 minutes 50 de course. 2 minutes 30 plus un tour. Mais encore, hein, tant qu'il arrive. S'il arrive à passer sous la barre des secondes, ça peut jouer hein, une chute pour Christian et ça remonte. En tout cas, pour Niklas, voilà, ça a l'air de s'assurer. Attention à la peur, ça passe sans souci. Bien gérer la déformation et. Ouh, Niklas qui tente le tas, voilà. Ouais. Un peu court, forcément. Avec la déformation. Si on profite à Mats. Ouais, voilà, de reprendre la troisième place. Troisième place très disputée hein, par rapport aux deux premières places. Il se retrouve toujours à peu près à 4 secondes. Une erreur du troisième et ça repasse, et ça repasse. Vice versa. Très compliqué pour ces pilotes. Lucas Cavalero. Hein. Ouf. Toujours, Matt qui a failli glisser dans ce virage, mais très gros demi-tour. Je sais pas si c'était fait près de sa part, mais ça tournait très sec. Les pilotes qui tentent plus non plus, hein. Je sais pas si tu as vu le triple en montée, le petit triple en montée là, il ne le tente plus. Le ouais, triple montant. J'appelle qu'il doit être bien déformé à mon avis. Bah tiens, on va se faire un tour pour voir à la fin. Oh Chris Bassot qui vient de chuter, justement on en parlait. Ah oui. Mais Théo Boutet qui a dû chuter aussi, qui était à 24 secondes. Comme mon avis, ces deux pilotes ont chuté. On va se mettre un peu sur Christian Bassot pour vous rendre compte un peu la déformation de la piste à ce stade.
de la course. Ici, on voit toutes les ornières. Il y a 2-3 ornières d'entrée, 3-4 ornières de sortie. Il faut réussir à choisir la bonne. Ouais, c'est ce qu'on pensait. Hein. Très déformé ce triple. Choisis de prendre l'intérieur ici dans le sable. L'intérieur qui commence à se creuser quand même. On voit l'accélération ici après le petit double. Ça se creuse partout. Ici, l'appel qui est très creusé. Les enchaînements, ouais. Christian qui ne tente plus les triples. Même là, on voit même dans les appels, ça se creuse. Ça se creuse vraiment partout. La terre est très très molle cette semaine. Attention à Christian qui se met long, hein, qui se met. Qui a pu être très très précis dans les enchaînements. Forcément, les appels se modifient. Ça envoie plus, ça envoie moins. Il faut réussir à gérer. Réussir à retenir les traces. Toujours régulier dans les hoops quand même. Ouais. Par contre, à ce niveau-là, les hoops n'ont pas l'air de trop se déformer. Ils ont été mieux tassés qu'en 2,50. Ouais, Christian, oh. Voilà, qui assure quand même. Qui prend des petits risques, mais ouf, ça assure quand même. Il y a de bonnes suspensions en tout cas, hein, ouais. Ça a l'air. Si ça arrive à bien rattraper. Hein. Passage arrivé, voilà. 20 tours tout de même. Ça commence à faire. Hein. 20 tours, ouais, 19 secondes, 42 tours. Donc un peu moins d'une minute au tour, à peu près. Il rentre dans ses deux derniers tours. Le lapeur, là, qui attaque. Ouais. Je prends pas trop la position du lapeur qui attaque le leader. C'est pas très compréhensif. Wow. J'espère pour lui qu'il va pas le faire chuter. Sinon, ça va être une correction pour lui. Je pense qu'on ne le verra pas au prochain round. Et le drapeau bleu là qui est pas très bien respecté. Ouais, Christian qui a du mal dans les enchaînements. On le voit qui a du mal. Bah voilà. La peur qui part à la faute. Il a le champ libre. Hein. L'ornière a l'air très très grosse ici dans ce virage. Là, on voit plus beaucoup de pilotes passer dans l'ornière. Je sais pas si Théo la prend. On va regarder un peu Théo. Ouais, Théo qui a deux lignes droites de retard forcément. Ça va être compliqué hein, pour la victoire. Je pense qu'il va assurer sa deuxième place. Surtout que, à mon avis, on voit Christian qui a ses traces, qui fait que des doubles. Il a 20 secondes d'avance, il peut se permettre d'en perdre 5 secondes au tour, c'est pas grave. Il arrive dans son dernier tour, même s'il perd 5 secondes, c'est pas grave. Tant qu'il chute pas, faut surtout pas chuter pour Christian. Et c'est la victoire au bout de cette manche. Ouais, dernier tour, drapeau blanc pour Christian Bazin. Ouais, on va le suivre quand même toute la course, voir un peu comment ça se passe. Il n'y a pas trop de batailles sur son derrière. Les pilotes sont plus écartés qu'au début de ce main event. Hein. Il y a à peu près 10 secondes entre tout le monde. Il n'y a plus trop de changements dans le classement. On a toujours Christian Basso, Théo Bultel et Matt Wagenvoort pour ce podium de Houston, round 2 du championnat Supercross organisé par l'EMF. Toujours à perfection. Hein. Toujours aucun accro dans ces soirées. Ça se déroule comme une partition de musique. Ouais. On sent l'expérience derrière cette organisation tout de même. La licence a beau être payante, mais au moins on n'est pas déçu de l'organisation. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Ouais, Christian qui assure vraiment les hoops, hein, qui a fait double dans les hoops. Les à mon avis, ça part sur des doubles. Voilà, il va essayer de pas se faire gêner par les lapeurs. Attention à Gauthier Dubois qui va. Oh, Christian perd les pieds. Qui perd les pieds. Oh, ça va, Théo est très loin. Ouais. Théo est très loin. Ouais, il a deux lignes de retard. Ça devrait le faire pour Christian. Attention quand même aux lapeurs qui reviennent sur lui. Non, c'est bon, ça va passer. Il va assurer l'intérieur et c'est bon. Ça va être la victoire pour Christian Basso. Qui a très bien joué sa course, très belle course. Belle finale, hein. Grosse remontée en début de hit, on l'a pas vu arriver, qui a pris la place et qui l'a pas lâché après. Première course, il a pris la première place et il l'a pas lâché. Théo Bultel. Seconde place pour Théo Bultel, hein. Grosse remontée, hein. Il est mal parti. Ouais, qui est parti dans top 15 à peu près. Grosse remontée et qui vient du coup conserver à mon avis sa plaque rouge. Oui, bataille pour la troisième place entre Niklas et Mats. Et Luca Cavallero, ils étaient à 3 dans le virage. Et Niklas qui du coup en profite pour cette troisième place. Ouais. Que vous voulez chercher, c'est quoi? C'est 20 points pour le troisième place, je crois? Ouais, c'est ça, oui. Enfin, non, peut-être, parce qu'avec le nouveau changement de points, ça a dû changer. Mais dans une vingtaine de points, quoi. Oui, 21, je crois, Et c'est confirmé, ouais, Théo qui garde sa plaque rouge. Ouais, du coup, ouais. Confirmé par ses teammates. Qui est passé par le LCQ, hein, donc vraiment, très belle course, très bonne soirée à lui, beaucoup de positifs. Tout comme Niklas Blom qui termine 3ème, lui aussi qui est passé par l'SQ. Comme quoi, ça veut rien dire qu'on passe par un SQ. Faut pas perdre la foi. Et belle 5ème place de Gauthier Dubois. Et qui revient fort, qui est revenu vraiment. Bah oui, qui nous a refait encore une remontée comme il l'avait fait dans le 8. Qui revient de très loin. Ouais, qui était mal parti. Qui était 8ème, 7ème toute la course. Qui revient vraiment, qui a pas mal joué sur les heures des autres. Et Mats qui a perdu 3 places hein, dans un tour. Mm. Ça, c'est très dommage. Hein. Lucas, du coup, qui a fini. Ah! Attendez, Lucas qui est passé aux pénalités. Ah oui. Oui, Lucas Cavallero qui est passé aux pénalités. Du coup, bah, je cherchais justement Niklas qui est passé 4ème malgré les pénalités. Ouais. Il s'est pris combien de pénalités? Le 656. À 2 secondes de pénalité pourtant. Ouais. Comme quoi, ça joue les pénalités. Qui perd son podium
Malgré les petites pénalités, les petites sorties de piste à droite à gauche, forcément. Et ça profite à Lucas Calavero qui vient prendre top 4. Et comme on disait, pour compléter ce top 5, grosse surprise de Gauthier Dubois qui vient prendre cette 5ème place. Qui avait fait, je crois, 13ème à la manche précédente. Donc très grosse remontée de sa part. Youfrolich qui finit 8ème, je crois. Oui, bah donc ça a switché, dommage. Donc j'ai pas eu le temps de voir la suite. Ah oui, il a fini 8ème. Il était plutôt bien parti lui aussi, mais bon, qui a eu du mal avec la déformation, je pense. Hein. Ouais, il faut avec vraiment s'adapter. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite soirée vous aura plu. Commentez avec mon ami Mathias Avi. Et on voilà. C'est une bonne soirée, hein. C'était bien sympa. Je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Oui, je pense. Vous retrouverez cette rediffusion sur YouTube, à mon avis. Je vais la mettre sur ma chaîne principale, Mixway Gamer. Pareil pour moi. Pour vous proposer un peu de contenu quand même. Petit commentaire comme ça, ça fait plaisir. Je vais juste me mute des Discord. Merci à toi, Mathias, de m'avoir accompagné. Bah, merci à toi, Hugo. Pas de soucis. Pareil. Et je vais me mettre de mon côté pour dire aussi. Au revoir à ce live et aller féliciter la team. Voilà. Non, putain de jeu. Bien joué, Gauthier, pour la remontée à la fin. Merci. Merci. J'ai pas trop suivi parce que ça bataillait pas mal devant. Mais puis pas mal joué Tom Guillon aussi. Ouais. Pour cette quoi, 18ème, 19ème place. Et... ah, mais j'ai pris un Black Flag. Le cardio il a pas dû te remonter en plus. Bah non, là, je t'ai poussé. C'est le cardio du PC, il a dû monter, il a dû stresser, il a dit putain, j'ai pas envie de casser l'écran. Basemeister, à mon avis, si tu veux bien te débrouiller en supercross, compte 6 mois d'entraînement. 6 ans de jeu. Sur le 6 jeu. 6 ans de jeu. Et si tu veux claquer des très bons temps, un an. C'est beaucoup d'entraînement le supercross, c'est très technique. Ouais, comme dirait Nax, 6 mois à jouer vraiment souvent. Mais ouais. Hop là, je me suis remute sur le Discord du coup. En tout cas, j'espère que ce petit live vous aura plu et vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à partager la rediffusion quand elle sera disponible sur ma chaîne secondaire. Je trouve que la déformation est un truc qui manquait à MXS niveau réalisme. Effectivement, et je pense c'est ce que je disais pendant la course de 50, je crois. Ça va vraiment donner un nouveau tournant, un nouveau souffle à l'e-sport sur MX Simulator et c'est cool. Parce que bah du coup, les gens s'adaptent vraiment, ça ajoute vraiment ce petit côté aléatoire qu'on n'avait pas. Ça enlève ce côté régularité, ça, même si elle est peut-être un peu grosse, je l'accorde. Mais ça ajoute vraiment beaucoup de dynamisme et c'est vraiment cool. Non, Anaheim 2 sort mercredi soir dans la nuit, donc c'est plus jeudi soir que je vous ferai un live sur Anaheim 2. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que ce live vous aura plu, avec cette double live, première partie un peu plus détente, où on discute, on parle un peu de tout et de rien, on regarde un peu les courses, on suit de loin, et cette deuxième partie, LCQ et Main Event, où on aura vraiment plus commenté. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, techniquement, oui, demain c'est jeudi, vu qu'on est mercredi maintenant. Ah non, il est 23h19, je suis à l'ouest, autant pour moi. Donc non, ce n'est pas demain, c'est jeudi soir. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. Et n'hésitez pas à follow si c'est pas le cas. Vous avez le bouton juste au-dessus. Activez les notifications pour ne pas rater les prochains lives. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous jeudi soir pour découvrir Anaheim 2, 21h, 21h30 comme d'habitude. N'hésitez pas à être là au rendez-vous. On sera sur notre track perso pour s'entraîner directement avec cette déformation. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était Mixway. Ciao, bonsoir.